chers amis, si vous le permettez, on va pouvoir commencer cette rencontre qui promet, avec la présence de l'auteur, Mme Yasmine Chami, et également de mon ami, c'est Mahi Bibi. Vous voyez que c'est une rencontre un peu particulière. Je crois que c'est la deuxième pour cette année, après la rentrée, après les événements malheureux du séisme du 8 septembre, et le mouvement solidaire marqué par la société marocaine, en particulier nos amis sont optimistes, que je voudrais saluer ici pour tout ce qu'ils ont fait, pour ces dames, ces enfants, ces victimes rêvant dans la montagne, retrouver ses racines, retrouver, j'allais dire, les personnalités qui ont marqué notre histoire, non pas les histoires. Et comme je disais tout à l'heure à Madame Yasmine Chami, la semaine dernière, il y avait une rencontre à l'Institut français autour de la philosophie, philosophie africaine et arabe, état actuel et futur. Et Hanan Saïdi, qui dirigeait cette table ronde, avait soulevé la question de la colonialité, que je retrouve dans ce livre. Donc, vous allez voir, c'est un petit roman, mais qui est très dense. Yasmine Chami a déclaré qu'elle n'aime pas les romans longs. Donc, c'est condensé, c'est fluide, et ça parle à tout un chacun de nous. Parce qu'il pose des problématiques très profondes. Donc, nous allons pouvoir discuter autour. Et je donnerai la parole en premier lieu à madame ma sœur Leïla Bimbi, qui est toujours le dynamo de ce salon de lecture et qui est toujours heureuse de nous retrouver chez elle dans ce salon. Et comme vous le voyez, Yasmine, il y a beaucoup de convivialité, il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'amitié et surtout on est ouvert sur le futur pour les jeunes étudiants et étudiantes de l'Université Qadirienne. À vous la parole, Leïla. À vous la parole, Leïla. Alors, comme d'habitude, je vais faire une petite présentation du roman. Et donc Casablanca Circus, j'arrive pas à dire circus, c'est le circus, please. Et de Yasmine Chami. Et je fais ma petite présentation du livre. Donc, dans ce roman, qui nous raconte dans un récit d'une précision remarquable, dans un cadre spatio-temporel précis, la vie de nombreux personnages fictifs. Yasmine Chami, écrivaine pleine de talent, nous fait rentrer dans un univers que beaucoup de Marocains reconnaissent et peut-être en ignorant, en détournant les yeux. Les biographies de Yasmine Chami sont très nombreuses et partage beaucoup d'informations sur sa vie et ses œuvres romanesques qui rappellent sa trajectoire personnelle à travers ses études, ses voyages, sa vie familiale, etc. Le personnage principal, comme par hasard, partage avec l'auteur de nombreux points de vue, nous entraîne dans une narration précise, dense, pour suivre ses convictions sociales solides, nourrie par sa sensibilité profonde qui nous incite à avancer dans la lecture pour en savoir un peu plus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son dernier roman, Casablanca Circus, en essayant de nous éloigner le plus possible de la vie de l'auteur et nous intéresser beaucoup plus au personnage du livre qui, comme le titre, nous sommes comme fascinés par une écriture calme mais très critique de l'auteur. C'est une ville, lieu d'origine de celle-ci et des principaux personnages du livre.
La structure narrative est astucieusement construite sur l'émotion, parfois très forte mais critique, du personnage même. Un personnage principal qui sera plus loin la source de toutes les difficultés futures. Ils ont décidé ensemble la perspective du retour à Casablanca, leur ville d'origine, dès la naissance d'un second enfant. À Casablanca, mon amour, nos rêves seront broyés comme tu le sais déjà. Tu sais tant de choses, lit-on en page 14. Comme prévu dans toute écriture romanesque, les premières pages nous délivrent le secret caché entre les lignes pour plus tard nous libérer de l'incertitude. Mais il sait tout, pas tout à fait finalement, face à un avenir complexe, une société complexe, une ville complexe, le sujet du roman. Chéri, son mari, nous dit dès la première page du roman, nous retournons dans la gueule du loup parce que nous devons être ce que nous sommes. Une promesse porteuse d'un avenir compliqué. La vie à Paris était positive pour le couple. Elle, May, spécialiste en sociologie et histoire, mène pour leur équipe un patient travail ethnographique durant plus de 18 mois. Lui, architecte, et son équipe, et je cite, étaient appuyés sur une enquête pour organiser leur proposition, repenser les espaces communs de cette cité emblématique, des ghettos pour immigrés, finalement, frileusement baptisés, les quartiers, puis plus clairement, territoire perdu de la République, où les jeunes en proie au désespoir et à la relégation nient avec violence les lois de la société qui les rejettent. Parfois, la colère de May montait, mais d'autres fois elle était heureuse. Page 17. Tout est dit maintenant. Dès que le médecin signale à May qu'elle porte un bébé, il ne reste plus que de tenir la promesse. Direction Casablanca et le retour. Ses souvenirs d'enfance, sa famille, son père, ses tantes, ses cousins, tout s'intervient dans le récit, chacun à la place qu'il mérite. Mais déjà, Chérif lui annonce, nous n'avons pas habité la même ville. Tu as vécu dans celle qui ressemble à Miami, au milieu des villas. Les gamins du lycée Lyoté ont des chauffeurs, dont les enfants, qui eux sont scolarisés à Inchok, Sbata ou Hay Mohammadi, sortaient en bande des lycées publics. Une ville différente, celle des habitants des Kériennes, relégués hors des territoires reconnus du centre de la ville, absorbés par de multiples trafics qui conditionnent la survie, signifiant la colle et dilant le carcobé, qui permettent d'échapper halluciné hors du ghetto. Je suis toujours en train de citer, où ils sont enclos. Page 26, une ville différente. Lui, natif du quartier Mère Sultan, une classe moyenne, vivant dans un appartement, il pouvait avoir un espace plus large pour se promener en toute sécurité. Mais cela n'empêche pas l'amour et l'union du couple, les obligations et le sacrifice. Elle veut être elle-même. Mais est-ce possible dans une société fragilisée par les différents intervenants? Son mari Chérif va en payer les prix. Le bidonville, le Kérien, Dalbhari, va l'aider à voir la vérité en face. J'apprends chaque jour auprès des gens du Kérien, dont les vies se dévoilent au fur et à mesure. Mes journées sont pleines. J'achète un grand cahier à spirale sur la couverture duquel j'ai écrit au feutre noir l'histoire de vie des Kérien Dalbhari. Des caractères et des personnages nouveaux, une vision nouvelle du vivre ensemble. Chérif est entraîné par le besoin de protéger sa famille. Ses deux enfants et sa femme, May, quittent à contourner et trahir ses convictions. Il veut les protéger, quitte à changer de voie. Elle, intraitable sur le sujet, les injustices et la corruption, se détache petit à petit du rêve, d'avant la perspective du retour.
Elle écrira un livre sur les vies dans les bidonvilles du phare de Casablanca et finira dans une embarcation. Si frêle la houle habitait mon corps tout entier, j'ai souri pour moi aussi, pour nous tous, face à la falaise, sans peur. Qui a dit qu'il fallait avoir peur? Peur de quoi? D'affronter la mort ou de lutter contre le système comme un valeureux chevalier? Avant de terminer, je voudrais conseiller de lire ce livre pour plonger dans sa lecture riche en descriptions, en sensibilité et en réalisme. On détectera sa tendresse toute féminine, ses émotions, son monde puissant et dense. Mais surtout, on y décèlera un éclairage courageux et puissant sur les mécanismes d'un système dans une ville corrompue et coupable. Merci. Merci Leïla. Comme à ton habitude, tu fais le tour du roman et tu le présentes tellement bien que tu donnes envie à ceux qui ne l'ont pas encore lu. Si vous le voulez bien, on va essayer de manière assez, j'allais dire, ferme, de donner la parole aux uns et aux autres, ceux et celles qui ont lu le livre et qui ont soit qui veulent interagir avec ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont compris, et également s'il y a des questionnements, des questions à poser, puisque nous avons avec nous l'auteur. Tu veux lui donner la parole? Je veux pas qu'elle termine. Vas-y, à vous la parole. D'abord, je veux remercier parce que je suis très heureuse d'être ici et très émue. Le Salon de Leïla est quand même un lieu particulier où on peut découvrir les livres, les auteurs, mais en même temps de douceur et d'intimité. Je pense que les précédents m'ont permis d'installer une sorte d'intimité avec un type d'écriture qui ensuite a pu s'ouvrir pour s'étendre en fait à des domaines moins qui explorait moins en fait les individus pris dans l'histoire que finalement le territoire de la ville et l'histoire des individus dans la ville. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup préoccupée, trouver le ton juste et trouver le point de vue juste, parce que écrivant en français, j'avais aussi une conscience assez aiguë de la manière dont les écrivains francophones peuvent instrumentaliser les difficultés que connaît la société marocaine. C'est une manière aussi de se vendre à l'étranger. Il y a des figures et des stéréotypes en fait qu'on peut renforcer pour en fait satisfaire un certain type de lectorat. Ce n'était pas mon propos. C'est un livre que j'ai écrit avec en tête un lecteur marocain, je dirais même maghrébin. En ma tête, en fait, il y avait un lecteur qui pouvait aussi bien être tunisien, algérien, marocain. Et j'ai tenté dans cette langue d'installer un point de vue narratif en fait qui échappait à l'essentialisation des personnages. Voilà, c'était vraiment cette bataille-là pour être au plus près de ce qui nous concerne, de ce qui nous blesse dans notre société, et en même temps pour le faire avec une sorte d'intégrité qui permette en fait de toucher ce que je vraiment touche. Donc il y a pour porter un roman pendant 25 ans, c'est vraiment très fort. Et je crois que cette maturité que vous attendiez, nous l'avons tous ressentie. Et donc tout de suite, allez. Bonsoir tout le monde. Merhaba Yasmine, à Marrakech une nouvelle fois. Ben, je ne voulais pas prendre la parole de sitôt, un problème de coordination, c'est ce qu'il m'a dit. Que dire, je ne sais pas, je ne veux pas prendre la parole parce que j'ai lu le roman à partir de ma sensibilité, de mon vécu en tant que femme. Donc j'étais en dialogue avec Yasmine depuis que j'ai commencé à lire le roman. Je pense que nous portons en toute modestie les mêmes préoccupations. Je me suis reconnue dans l'humanisme de Yasmine. Dans les projets humanistes de Yasmine, je me suis reconnue dans son regard, je me suis reconnue dans sa proximité, sa sensibilité intelligente.
Je me suis reconnue aussi dans ces lectures, puisqu'on vient toutes les deux de la même référence, les études décoloniales qui nous ont particulièrement marquées, façonné un peu notre regard et notre refus de l'injustice, que ce soit à l'échelle internationale ou à l'échelle régionale, voilà, au Maroc, et vous l'avez très bien dit. Je ne sais pas, je ne sais pas si je peux appeler cela des questions. Il y a la dimension féministe, je ne sais pas si vous l'assumez, parce qu'il y a des écrivaines qui refusent l'étiquette. Très, très bien. Très, très bien. Et tout à l'heure, j'étais en dialogue avec... en discutait, il m'a dit, est-ce que pour toi, Chérif, il est coupable ou non? Je lui dis, moi, je ne lui pardonne pas sa posture. Et je veux peut-être parler de cela, justement. Ce qui m'a titillé dans le roman, c'est quand ils étaient dans l'avion, et ils regardaient d'un air profond. Il était distrait, et il pensait à comment protéger sa femme et cette petite fille. Et cela m'avait agacée. Voilà, je partage beaucoup de choses avec Yasmine. Je me suis dit, pourquoi nous, les femmes, on a toujours besoin de nous protéger? Et on l'a bien vu dans le roman, c'est May qui a veillé sur et qui a protégé Chérif, qui a complètement perdu ses repères parce qu'il est porteur, je ne sais pas, d'un petit complexe d'infériorité de par l'histoire de son père. Et c'est elle qui l'a protégé, qui a protégé les enfants, qui a protégé Zora et sa fille, qui a protégé la petite Lola. Et peut-être que Yasmine répondra à la question, est-ce que Chérif avait tort? Pour moi, oui. Pour vous, non. Et puis, il a posé la question de, est-ce que c'est une question de genre ou une question de classe? Il m'a dit, si les femmes avaient assez autonomes financièrement, elles ne subiraient pas le patriarcat de cette façon. Il y a un travail à faire au niveau des mentalités des femmes qui ont intériorisé, je l'ai dit, même avec des femmes riches et puissantes chez nous. Et donc, encore une fois, Yasmine, pour ce roman, que je trouve abouti du point de vue du style, il est fort, il est beau, il est bien écrit, les phrases. Je voulais choisir quelques pages à lire, mais chaque page porte son lot de phrases bien faites, bien ciselées, mais en même temps, c'est consistant, c'est dense. Il y a tout un programme et on voit la maturité que les 25 années ont porté. Et toutes mes félicitations. Voilà. Donc, merci pour ce cadeau qui parle au nom de toutes les femmes et des pauvres au Maroc et à travers le monde. Merci pour la parole. Donc, effectivement, nous avons eu un début de conversation tout à l'heure. Et mon entrée de jeu, moi, le livre il m'a énormément plu. Voilà, parce que naturellement, en tant qu'homme, je me reconnais dans Chérif. Pas forcément par ses prises de position, je tiens à préciser, mais par le fait qu'effectivement, ce système patriarcal met quand même beaucoup de poids sur nos épaules. Moi, en tant que jeune diplômé, je ressens naturellement le besoin de devoir m'accomplir, quoi qu'il m'en coûte, parce que je sais que socialement, c'est ce qui est acceptable. Donc, effectivement, ça m'a donné un prisme qui est assez différent et ça m'a mené à reconsidérer certaines positions. Du coup, c'était vraiment très... À chaque page, je m'arrêtais pour commencer à réfléchir sur la vie, etc. Et ça, c'était un excellent voyage. Maintenant, c'est sûr que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le professeur Hanna, lui, bien entendu. Je vais le dire, hein, si ça va peut-être un peu choquant, mais pour moi, May est un petit peu hypocrite. Pourquoi elle est un petit peu hypocrite? Parce que, donc on a Chérif, qui, comme il a dit, ne vient pas du même milieu que May. May vient quand même d'une très bonne descendance, elle a quand même bénéficié d'un capital social et culturel, qui n'est absolument pas comparable. Et Chérif a fait la remarque, elle n'a pas à payer le prix de ses convictions, tandis que lui, si, parce qu'il a connu le manque. Il a vu son père dépérir à cause de ce manque-là. Donc, déjà, le prix pour assumer le fait d'être accepté socialement n'est pas le même. Ensuite, bien entendu, j'étais un peu... je pourrais dire que c'est un raccourci. Mais lorsque j'ai lu plus tard que May elle-même se posait la question en disant que je ne suis-je pas à travers cette lutte, alors c'est grâce finalement au capital de sa famille, grâce à sa maman Malika, qu'elle a pu que Zora, si je ne me trompe pas, a pu avoir la carte de séjour. Donc derrière, on retrouve encore ce rapport de force. C'est parce que sa mère est puissante de par sa famille qu'elle a pu finalement venir en aide à Zora. Donc c'est pour ça que je me dis. Ouais. C'est pour ça que je me dis derrière qu'elle est un tout petit peu hypocrite. Parce que finalement, elle a baigné dans un bain dans lequel son mari n'a pas baigné. Elle peut systématiquement, par sa famille, venir en aide, même s'il faut user de coups, de
moyens quasiment fabuleux pour pouvoir justement aider les plus faibles. Donc elle toujours ce rapport de pouvoir pour pouvoir aider l'autre. Et ce qu'elle refuse à son mari, en disant que tu vas te nier et tu es en train de prendre un chemin qui est contre tes convictions, contre nos valeurs. Je crois, bien entendu, en étant en France, qu'il n'y avait pas forcément ce même problème-là, parce que socialement, c'est quasiment la même chose. Mais dès qu'on arrivait au Maroc, donc à Casablanca notamment, il y a eu cette différence de classe sociale. Donc, d'où le fait que j'ai dit que finalement, le combat du genre, il me semble que ça plus un combat de classe, en tout cas circonscrit à l'ouvrage. Voilà. Maintenant, j'avais aussi, juste pour finir, je vous laisse quelque chose que j'ai absolument pas compris. Vraiment pas compris. Dans sa page 170. Donc, je lis. Mais plus les maisons sont fortifiées, plus le sentiment de sécurité grandit, plus la puissance sociale augmente, moins la conscience de cette communauté de destin est présente. Très bien. Sans doute parce que cette puissance est celle des hommes davantage que celle des femmes. Je ne comprends pas. En toute franchise, je ne comprends pas. Pour moi, ce n'est pas celle des hommes, mais celle des femmes, c'est celle du riche contre le pauvre. Moi, c'est ce que, concernant, je pense. Après, peut-être pouvez-vous m'éclairer sur ce point. Vous avez plaisir. Je puis, c'est ma pensée, si vous voulez. Et je vous remercie. Infiniment. En fait, d'abord, je suis très heureuse de ces lectures parce que je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire. Je me suis retrouvée en France. Enfin, j'ai fait une petite tournée en France, Lyon, Grenoble, Toron, enfin, une espèce de village perdu, Arles, etc. Et des lectrices qui étaient un peu âgées m'ont appréhendée. Une d'entre elles en particulier, c'était une mère et une fille. Et la mère a dit, de toute façon, mais elle est insupportable. Elle est vraiment insupportable. Elle empêche son mari de réussir, elle ne pense qu'à elle, elle se croit dans une croisade personnelle, et en fait, j'ai eu en face de moi, cette mère et cette fille, il y a eu une empoignade entre la mère et la fille lui a dit non, tu n'as rien compris maman, elle lui a dit oui, toi tu es en train de divorcer parce que tu es comme elle, en fait tu es une égoïste, tu ne penses pas à ton mari, tu penses qu'à toi. Et je me suis retrouvée, je venais pour présenter un livre, et il y avait vraiment une empoignade devant moi. Un champ de bataille familiale, générationnel, entre deux femmes qui avaient en fait deux conceptions complètement opposées du lien avec un homme. Donc ça c'est pour vous répondre, parce que ça montre aussi que ça ne se passe pas qu'au Maroc. Ça se passait en France, dans un petit village à peut-être 10 km de Lyon. Hein, donc on est vraiment au cœur de la France et au cœur aussi d'un système patriarcal qui peine en fait hein, à avancer. Ça avance dans les grandes villes, mais en fait... Hein, dans des villages un peu plus reclus, ou dans des régions un peu plus recluses, eh bien, les rapports générationnels pèsent toujours, et les femmes sont quand même... Il y a une injonction à se mettre au service de la carrière de son époux, et en fait, la réussite de l'époux, c'est la réussite de la femme. Alors, ce que vous me dites de ce livre me touche parce que en l'écrivant, j'avais le souci de rendre justice à Chalif. En fait, Chalif n'est pas un mauvais homme. C'est un homme coincé. Et en fait, c'est d'autant plus pathétique, on a d'autant plus de peine pour lui qu'il est intelligent, et que dans le roman, il y a d'autres figures masculines qui incarnent d'autres possibilités. Et en particulier son frère, Atman, qui est une figure magnifique, hein, qui est un homme, oui, d'ailleurs, comme Fouad, le père de May, et on voit bien que May a un lien très fort avec son père et qu'elle a choisi le camp des hommes qui ressemble à son père. Et en épousant Chalif, elle a cru qu'elle épousait, en fait, une version plus jeune, en fait. Hein. Bien sûr, elle est oedipienne, c'est clair, de son père. Et ils ont partagé à l'étranger des convictions qui étaient quand même très fortes. D'abord, la question de la réhabilitation des jardins ouvriers dans la cité des Bosquets à Montfermeil. Ce projet sur lequel il travaillait avec sincérité et acharnement, avec son ami Pierre, et dans lequel il s'est impliqué. Et elle était convaincue, en fait, en rentrant au Maroc, qu'ils avaient le même objectif, c'est-à-dire, au fond, penser autrement la ville, l'architecture, l'urbanisme, et proposer, en fait, un modèle de logement social décent, mais qui, en même temps, préserve les liens avec le centre de la ville et protège la vulnérabilité des habitants. Il y a quand même, dans le roman, un moment clivant, et qui est sûrement dû au fait que, effectivement, vous le dites, qu'il y a un rapport de domination, c'est clair, mais a grandi dans la famille de sa mère, et elle connaît la puissance de l'argent.
Et elle s'en défie parce qu'elle la connaît, parce qu'elle a vécu aussi la manière dont son père a été quelque part arraisonné à l'argent. Il y a chez Fouette une résistance, mais en même temps, il aime sa femme, il a maintenu sa famille, il a accepté de vivre dans une maison achetée par son beau-père. Sa femme est en compétition avec ses sœurs. Et en fait, l'argent, ici, est un moteur de vie pour certains quasi exclusif. Hein, et il renforce, bien sûr, les postures d'ego et les postures patriarcales. Il y a une scène où, en fait, cette extraction, elle vient s'opposer dans le roman, en fait, à la politique publique, hein, en fait, dévoyée par les promoteurs immobiliers privés, qui consiste, au lieu d'extraire en douceur les gens d'un environnement en leur proposant une alternative viable, eh bien, de brutalement les rejeter à la périphérie des villes. Et en fait, ce personnage de Zahra, il vient quelque part corroborer la certitude qu'Amey, que ça peut être plus long d'extraire les gens de l'hyper-vulnérabilité, mais qu'on peut le faire avec suffisamment d'humanité pour ne pas les briser. Et à un moment, elle se pose la question en se disant « Mais quelle est ma légitimité à décider pour Zahra qu'elle sera mieux dans sa famille que libre dans le bidonville ?» C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est humain et tout le monde a un trajet, tout le monde a un regard sur sa propre vie et les gens précaires ou vulnérables à un moment de leur vie n'ont pas, moins que les autres, le droit de choisir et le droit de vivre comme ils l'entendent. Donc je pense que May, elle est animée par un farouche besoin de dignité, autant pour elle que pour les autres. Et je pense aussi que, mais on voit que son rapport avec sa mère évolue au fur et à mesure du roman. Au départ, elle est un peu adolescente rebelle, et puis ensuite, elle se calme et elle noue en fait un lien, une alliance avec sa mère, parce qu'elle se rend compte que le pouvoir de sa mère peut l'aider à aider elle ce qu'elle souhaite aider, mais aussi parce que elle comprend les contradictions dans lesquelles Malika s'est débattue. Parce que Malika est une femme ambivalente profondément, la génération d'avant. Elle veut à la fois le pouvoir social, mais elle veut aussi la légitimité politique. Voilà, en tout cas de la solidarité. Et en fait, oui, il y a dans les milieux fortunés des ambivalences profondes. Hein, il y a à la fois le désir de la puissance et des commodités que procure l'argent, et il y a à la fois la peur que cet argent ne soit finalement un barrage contre l'ancrage dans une communauté, parce que l'argent sépare, il divise aussi. C'est un peu le diable, hein. Dans diable, il y a le préfixe « di » qui signifie « diviser », en fait. Hein, et c'est aussi une réflexion sur livre sur ce qu'on fait avec l'argent, ce que c'est que l'argent dans nos vies, et sur finalement ce système néolibéral dont les injonctions sont tellement puissantes que y résister est quasiment impossible. On voit bien à quel point finalement l'argent va diviser le couple. Donc je pense que c'est un procès, en fait. Oui, mais exigeante, c'est vrai, et elle va au bout surtout. Ce qui est choquant, c'est qu'elle va au bout. C'est-à-dire que la plupart des femmes s'arrêtent à un moment, et le moment où son mari lui offre cette bague dans la chambre de l'enfant à venir, où il a acheté le berceau, c'est un moment où elle aurait pu céder. Et elle est au bord de céder. Mais il y a une colère en elle parce qu'il l'a trahi. Si vous permettez, je vais donner la parole à Madame Balisa, qui a fait partie de ce jury chargé d'accorder le prix Gisèle Halimi et qui, d'après mon ami Mahi, a défendu bec et ongle le roman de Yasmine Chen. À vous la parole. Merci, merci infiniment. D'abord à Leïla, hein, pour ces moments formidables. On ne s'imagine pas qu'il puisse y avoir des moments comme ça à Marrakech. Et c'est vraiment, vraiment pour ton engagement, parce que quand on ouvre un livre, on n'est jamais seul. Et donc c'est important. Alors, Madame Chami, pourquoi j'ai défendu ce livre? D'abord parce que quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, voilà une écrivaine ou un auteur, ou une autre manipulée du tout. Et on ne peut pas faire une référence à ce livre pour expliquer le Maroc d'une manière déformée. Et ça, c'est le premier point. C'était très important pour moi. Il y a tellement d'écrivains qui veulent plaire de l'autre côté, et vous êtes dans la nuance. Et la nuance, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'on est souvent dans la radicalité pour plaire à un camp. Donc merci pour ce roman magnifique qui est dans la nuance.
même quand vous faites la critique de la bourgeoisie d'argent, je dis la bourgeoisie d'argent, parce qu'il y a une réelle bourgeoisie, hein. La bourgeoisie d'argent de Casablanca, vous le faites avec des mots, vous le faites avec toute la nuance, de manière à ne pas avoir, que quelqu'un ne puisse pas avoir prise et dire « Madame Chamy a dit ». Non, franchement, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai aimé l'entrée en matière d'un jeune couple qui étudie ailleurs et qui veut rentrer au Bercail. J'ai trouvé ça honnête, d'abord, parce que quand on fait ses études quelque part, il faut aussi rentrer au Bercail pour apporter ce que l'on sait. Et c'est important. Et en plus, on se rend compte aujourd'hui avec tous les événements qui se passent de l'autre côté, que l'exil est une souffrance. Donc, j'ai aimé ce parcours. Puis, voir comment un architecte engagé, presque révolutionnaire, était capable de se mouler dans autre chose, dans tout à fait autre chose. Et pour exister, effectivement, c'est pour exister, c'est une question d'ego pour exister par rapport à une société qui demande qu'on existe à travers l'argent. Et aimer voulait exister à travers les valeurs, non pas à travers l'argent. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, et qu'il en faut trois, c'est j'ai aimé la relation que May a eue avec une jeune femme qui avait un enfant. Et le problème que vous avez posé là de manière tout à fait discrète, c'est la question de la possibilité de l'avortement ou du non-avortement. Et c'est pour ça que j'ai soutenu ce livre dans cette sélection. Et puis vous avez réussi quand même à être dans la shortlist, dans les quatre derniers. Donc c'est quand même une victoire quand on sait le jeu des maisons d'édition. Et ça, vous n'êtes pas dû. Votre livre, vous méritez le prix. Vous méritez vraiment ce prix. Oui. Je sais que je n'ai pas été assez convaincante, mais je n'étais pas la seule. Après, il y a des jeux, des courants, hein, derrière, tout ça, bon connaissant, malheureusement. Et ce dernier point sur cet homme, sur le déracinement d'une population dans un milieu central, plus urbain, etc., c'est une vraie problématique. A-t-on le droit de déraciner les gens? Pourquoi ne pas construire là où ils sont? Parce qu'ils ont une vie, ils se sont construits. Et donc, c'est la question du déracinement. Et puis, la question très, très subliminale, c'est la question de la sexualité des jeunes femmes qui se retrouvent embrossées par, voilà, et puis une vie perdue, une vie ratée, et qui, finalement, se termine bien, puisqu'elle retourne dans sa famille. Voilà, je le dis franchement, je suis très honorée de faire votre connaissance. J'ai défendu ce livre et ceux qui étaient derrière ce livre l'ont fait avec une passion incroyable. D'abord parce que Gisèle Halimi était nord-africaine, parce que Gisèle Halimi a mené ses combats, parce que Gisèle Halimi était féministe. Elle a mené des combats contre l'occupant, pour la décolonisation. Et donc ce livre qui retraçait une mémoire nord-africaine le méritait. Voilà, vraiment, je suis très honorée de vous connaître. Alors, je vais vous répondre parce que je suis très, très émue. Et pour moi, c'est mieux que d'avoir le prix. Ça vous entend. Je m'en fiche. Très honnêtement, en l'écrivant, je n'ai pas de prix. Parce que si j'avais eu un prix, je n'aurais pas été très sûre de mon intégrité. Donc, c'est bien pour moi de prendre un moment. Non, si, je vous assure. Vous auriez tenu. Je ne sais pas. C'est bien pour moi parce que ça m'oblige. Je continue à travailler comme je le fais et c'est ce que je peux. En fait, je veux écrire. Franchement, j'écris pour cette région du monde. Vous savez, ça m'a d'autant plus touchée d'être sélectionnée pour le prix Gisèle Halimi que mon grand-père maternel est algérien et qu'il a lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Il faisait partie des premiers militants FLN. Il a été torturé par les Français, on lui a coupé un doigt de pied. Et il a épousé ma grand-mère qui était française. Et elle l'a suivi dans le maquis. Donc j'ai écrit ce livre en pensant à lui, aux valeurs qu'il a toujours défendues et qu'il m'a transmises. Et aux valeurs
que ma mère aussi a tout remporté. Donc je suis très honorée, moi, que ce livre vous ait rencontré. Je vous remercie. Puisqu'on parle des dames, et surtout des mamans, je voudrais attirer votre attention sur un personnage particulièrement intéressant, à savoir la maman de May, Malika, qui est bien sûr issue de la milieu arabo-andalou, qui vient de Fès à Casablanca, qui se sent enrichie, mais qui est une dame de juriste, avocate, et qui va faire ce qu'il faut pour pouvoir permettre à Zahra, dans ce bidonville Karian al-Bahriyeh, là-haut, dans cette petite pointe, ce doigt qui pousse dans l'océan Atlantique, au pied du phare de l'Amr. Cette dame, j'allais dire sur quelques pages, me paraît un support, un pilier fort des bonnes traditions marocaines. C'est-à-dire que cette dame, avocate, à Casablanca, d'un milieu très riche, très bourgeois, qui a ses sœurs et ses beaux-frères qui viennent fumer le cigare chez elle parce qu'ils sont ostentatoires, elle, par des petites phrases, par des petits comportements, est un ciment pour cette famille qui revient de là-bas, qui revient de Paris. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de prendre en charge Iliès tous les mercredis matin, l'emmener à l'école, et puis après il y a un repas, le déjeuner du mercredi après-midi, et il y a une autre occasion, qui est le couscous du vendredi. Et croyez-moi, le couscous du vendredi, ce n'est pas quelque chose de facile ni de banal. Et c'est magique. Je me suis posé la question, moi, quand j'ai lu le titre de Casablanca Circus, à la manière de Leïla, je me suis dit, est-ce qu'elle veut dire le cirque, avec ses animaux, ses clowns et le reste, ou bien est-ce qu'elle veut nous rappeler un petit peu les circus de Washington, hein, le Dupont Circus et le reste. Mais en vérité, Malika va me donner la réponse, puisqu'elle va dire, mais je dois retrouver mon... C'est un cirque d'hyènes et de chacals qui se prennent pour des tigres. Voilà comment elle résume, j'allais dire, l'ambivalence et toute cette folie, hein, à l'intérieur de Casablanca. Trois jours auparavant, je dînais avec mon épouse et notre ami Mohamed Mourou, qui s'excuse de ne pas être parmi nous, puisqu'il a connu l'histoire de là. Il m'avait cité un poème. Et ce poème est en arabe. Voilà. Ibn Rashiq al-Qirawani, 11e siècle, qui dit « Mimma yuzahiduni fi ardi al-Andalusi, samar muqtadirin fiha wa mu'tadiri, al-qabu mamlakatin fi ghayri mawdi'iha, kal hirri le charme qui veut se prendre pour un lion. » Et donc, finalement, les Moulouk Tawaïf Andalus, ils étaient tellement faibles, mais ils prenaient des titres qui ne le représentent pas. Par exemple, le Moutelbik, le Moutadid, le Moutadid et le reste. Malika va aussi dire des choses très importantes, parce qu'il va permettre à Zahra de retrouver une identité sociale. C'est Malika qui va faire tout le process judiciaire, bureaucratique, pour permettre à Zahra de retrouver, j'allais dire, une place dans la société, parce que, et ça encore, c'est, j'allais dire, la mécanique de ce roman bien fait, c'est que la gestion de l'espace public, c'est là où se manifestent tous les jeux de pouvoir, qu'ils soient l'autorité, l'administration,
ou que ce soit les promoteurs immobiliers, spéculateurs, hein, qui s'enrichissent sur le dos des autres, sous prétexte de logement social ou de reclassement, recasement. Donc, il y a aussi Notre-Dame, qui est Carla, la femme de Pierre. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est italienne de Pouille ou elle est française? À moitié des Pouilles. Je ne savais pas Pouille, c'est ma fille qui m'a dit où ça se trouve. C'est le talent de, la, de l'Italie. C'est ça la région de Pouille. Où il y a un superbe. Oui, une superbe huile d'olive de la région de Pouille. Carla va permettre à, comment dirais-je, à May de, comment dirais-je, de comprendre que finalement Shérif n'est pas si traître à ses convictions, mais qu'il est pris dans ce jeu ambivalent de la société casablancaise où vous ne pouvez exister que par deux moyens. Soit être dans la politique, dans l'appareil de l'État, ou bien être très riche, que vous le méritiez ou pas. Peu importe. Et donc Carla va dire à May, attention, Shérif n'est pas... On le connaît quand on était à Paris et que les discussions entre maghrébins à Paris... Tunisiens, Algériens et Marocains, soumis à cette histoire de délit de faciès et aussi de délit de nom. Et vous avez eu l'intelligence de dire que Malika et Fouad, à la naissance de May, lui ont choisi un prénom passe-partout. C'est quand même quelque chose, ça. C'est une colonialité. On ne peut pas trouver plus. C'est-à-dire, voilà, une juriste nantie, un médecin, j'allais dire intellectuel et bien formé, et qui se pose des problèmes pour l'avenir de leur fille, au point de dire on va lui donner un prénom. J'allais dire, je ne sais pas moi, hein? On pense tout ça. C'est terrible. C'est terrible. Et moi, ça m'a, franchement, ça m'a interpellé. Je donnerai la parole à Fred. C'est poétique aussi. Fred, tu es là avec nous? Fred, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Si quelqu'un a posé des questions... Je remercie Tata Lila pour l'occasion qu'elle nous donne de pouvoir discuter de romans si intéressants. Et merci beaucoup à Yasmine Chami pour ce très beau roman qui, voilà, traite d'une question d'une certaine façon universelle. Parce que la question des logements, des casements et tout, c'est pas qu'au Maroc. La dernière fois, mon père m'appelle et il me dit qu'il a été victime d'escroque. Ah, je lui dis, mais comment? Il dit qu'on lui a pris sa parcelle et qu'on lui donne 900 000. 900 000 chez moi, ça ne peut pas acheter une parcelle. Or, la parcelle était en centre-ville, disons. Contrairement ici, par exemple, déjà, on donne des parcelles. Au lieu des parcelles, on vous donne un autre logement. Et bon, ça tombe pile au bon moment où voilà, je suis en train de lire ce roman. Et je vais revenir avec une question plus tard. Alors, je vais commencer par le début. Vous nous avez donné deux exemples. La première, elle est de William Faulkner, qui dit « Avez-vous jamais eu de l'indulgence ? De l'indulgence pour les gens ?» Pour ce que les gens se figurent avoir vu, car rien n'a jamais la même apparence pour deux personnes différentes. Mais pour une seule personne, cela dépend de quel côté on regarde les choses. Alors, je vais revenir sur le couple. Je ne vais pas prendre le parti de quelqu'un, mais je suis d'accord avec le professeur comme avec mon cher ami François. Pourquoi? Est-ce que
dans ce roman, mais a-t-elle eu de l'indulgence en rapport avec voilà, ce que Chérif, les choix qu'il a eu à prendre, et d'une certaine façon aussi, je veux dire, est-ce que Chérif a eu de l'indulgence pour les siens, parce qu'il a été ici, et issu de ce milieu-là, il connaît en fait le vécu de ces gens. Mais après, il va falloir faire un choix. Comme vous l'avez dit, c'est un Casablanca où, voilà, soit on domine par l'argent, soit, et voilà. Donc du coup, moi, je ne prends pas parti, mais je dirais que mais et, comment l'appelle-t-on, Chérif, ont totalement raison. Alors, ma question au niveau de la deuxième exergue, c'est qui dit l'indignation doit toujours être la réponse à l'indignité. La réalité n'est pas une fatalité. La réalité n'est pas une fatalité. Ça, je comprends, je vais l'associer, disons, à cette partie où, voilà, ces gens pauvres, à la pauvreté, je dirais que, voilà, le pauvre, la pauvreté n'est pas une fatalité. Pour moi, être riche, c'est une nécessité en soi. Parce que on ne peut pas vivre dans un monde sans argent. L'argent, c'est pas une nécessité, mais c'est une. Genre, c'est obligé en fait d'avoir de l'argent. C'est obligé d'avoir de l'argent. Alors, je vais venir dans le livre, je ne vais pas être long. J'ai vraiment aimé le roman, la façon dont vous avez traité, parlé de ces gens de bidonville. Leurs émotions, leur montrer qu'ils ont une vie et que voilà, tout ceci doit être pris en considération par les autorités politiques. Alors vient ma première question. En fait, vous nous avez parlé des causes, des conséquences. J'aimerais savoir en fait quelles sont les solutions, les meilleures solutions. Alors, vous dites, la question c'est comment pensez-vous que l'État, parce que c'est d'ordre politique, hein, c'est l'État d'abord qui veut les investisseurs, donc il faut choisir le bon emplacement pour ceux-ci, parce que mettre des logements commerciaux et tout dans une zone reculée, personne ne viendra. Donc, comment pensez-vous que l'État peut répondre aux attentes de tout le monde, des deux parties, gérer la situation de ces gens des bidonvilles et pour autant contribuer au développement de son pays. Et je vais un peu axer la question sur les pays de l'Afrique qui sont en quête de développement. Alors, je ne vais pas être très long. Je sais que voilà, d'autres personnes ont des... Il y a énormément de thématiques à traiter. On ne peut pas tout dire. Alors, des thématiques, bien sûr, où il faut se taire. Parce que, voilà, on prend le cas de, comment on appelle-t-on, Hakim, ou bien je vais essayer de grandir avec. Alors, merci pour votre attention. Je suis très reconnaissante quand j'ai écrit ce livre. Bien sûr, je n'ai pas pu l'écrire comme ça. Hein. J'ai eu la chance d'avoir dans mon entourage des architectes qui ont été eux-mêmes en proie à ces dilemmes, hein, et avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. En particulier la Montreux qui est ici ce soir, Karim Marachi, mais aussi la Gilles Poufous, qui m'a beaucoup aidé à comprendre la manière dont l'État avait conçu en fait, hein, les politiques de développement urbain et tout le programme Ville sans vie, sans vie dans le milieu. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans leurs propos, c'est que la pression, c'est-à-dire les déplacements de population à l'intérieur du Maroc entre le milieu, les mondes ruraux, et l'attraction de Casablanca, qui est quand même le premier centre économique du Maroc aujourd'hui, provoque un tel afflux de population qu'aussitôt un bidonville, entre guillemets, éradiqué, hein, un bidonville surgit. Et c'est donc une lutte sans fin. Et l'État a été débordé dans ses programmes, il a eu besoin d'avoir recours au secteur privé, et donc il a dû intéresser les promoteurs privés pour qu'ils acceptent de prendre en charge les logements sociaux, c'est devenu très très fructueux. Parce que les promoteurs
l'État leur met à disposition un terrain pour construire et il garantit les prêts des populations vulnérables. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs à 100% de gagner de l'argent. Mais leur avidité est telle qu'en fait, ils gagnent ce marché public en proposant des plans. Et qu'en fait, en cours de route, ils modifient les plans et ils font de ces lieux des ghettos urbains. Et en même temps, les autorités de la ville, qui sont corrompues, promettent de mettre en place des moyens de transport, des biens communs, c'est-à-dire des écoles, ça n'est pas fait. Donc les gens sont relégués, coupés, et donc ils sont abandonnés. C'est une forme d'abandon, en fait, de relégation définitive. Et il me semble qu'une des manières de lutter, ce serait évidemment d'établir la reddition des comptes. C'est-à-dire que les promoteurs ne devraient être payés qu'une fois que l'État a mis en place des commissions de personnes honnêtes qui seraient elles-mêmes sanctionnées si elles étaient corrompues et qui donc iraient sur place visiter les logements et vérifier qu'ils sont bien aux normes. On peut toujours lutter contre la corruption pourvu que ce soit une décision politique. Voilà. Et qu'il y ait des sanctions, hein, qu'au fur et à mesure du parcours, des sanctions soient véritablement appliquées de manière exemplaire pour faire que, eh bien, les gens aient peur, en fait, de détourner la loi. On peut faire ça. Le problème, c'est qu'il y a tout un système de cooptation et tout un système presque de survie des institutions qui est lié, justement, au fait de fermer les yeux sur les déviances. Hannah, toi là-bas. Alors attends, on l'écoute et puis ensuite on t'écoute. Vas-y. Allez-y, à vos questions. Allez. Bonsoir Leïla, bonsoir Yasmine, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je voulais remercier Leïla pour ce moment magique. Parce que grâce à Leïla, Leïla nous a réconciliés avec la culture. Et c'est vraiment sincère parce qu'on ne trouve souvent pas le temps avec le téléphone, avec tout ce qui est. Elle nous a réconciliés avec le papier surtout. Merci beaucoup, Leïla. Alors, ma question, en lisant le livre, le roman de l'écrivaine, qui nous montre que même dans la situation. Dans les situations les plus difficiles, il est toujours possible de trouver de l'espoir. On avait besoin de ça, surtout pendant ces moments qui sont, enfin, les moments qui sont très difficiles. Madame Chani, dans votre roman Casablanca Circus, vous dépeignez un portrait complexe et nuancé des habitants des bidonvilles. Vous explorez les thèmes de la pauvreté, des inégalités sociales, et de la résilience. Pouvez-vous nous parler de votre motivation pour écrire ce livre ? Ça, c'était ma première question. La deuxième est dans ce roman, vous évoquez les inégalités d'une société patriarcale. Êtes-vous au courant qu'il existe dans ce même Maroc une société purement matriarcale d'où je viens ? Où la femme a tous ses droits et c'est dans le sud du Maroc, enfin, chez les Sahraouis. Alors, je réponds d'abord à la deuxième question. Oui, je sais. Je sais que. Les autres sur un véritable matriarcat, je suis anthropologue de France. J'ai travaillé sur les femmes mauritaniennes quand j'étais en France, hein, parce que j'avais fait une étude de terrain pour le HESS, en fait, hein, et sur les femmes primo-migrantes, en fait, pour organiser en fait, l'intégration de leurs enfants et de leurs familles dans l'espace social français. Et oui, donc je le sais. Et je sais que l'une des grandes caractéristiques de ce matriarcat, c'est que les femmes sont alphabétisées. Et qu'en conséquence, ce sont des sociétés qui ne souffrent pas d'analphabétisme comme chez nous. Donc voilà, un des grands avantages en fait, du matriarcat, c'est effectivement que comme les femmes ont le pouvoir, en tout cas elles ont suffisamment de pouvoir pour avoir accès à l'éducation et pour donc produire des enfants éduqués.
c'est aussi bête que ça, mais c'est fondamental pour nous qui luttons de manière continue contre justement l'analphabétisme et l'illettrisme. Pour la première question, j'ai dans une autre vie, quand je suis rentrée au Maroc, quand j'ai pris la décision, mes enfants sont nés le 10 septembre à New York et je suis le 11 septembre, les tours se sont effondrées. Et j'ai compris que, très vite, que le monde ne serait plus le même quand on s'appelait Amine Magic Tani. Donc j'ai décidé de rentrer chez moi parce que je voulais qu'ils grandissent ancrés et à l'abri de toute forme de stigmatisation. Et je n'avais pas envie de transiger sur leurs héritages. Voilà, c'est-à-dire, je voulais qu'ils soient tranquillement installés dans une sorte de foi assez souple. Nous, enfin, je ne suis pas une grande pratiquante, c'est moins compliqué. Mais voilà, ils ont un héritage de lignage, d'intégrité, de place dans la société. Il n'y avait aucune raison qu'ils y renoncent et qu'ils soient toujours obligés de se justifier de qui ils étaient. Et j'ai compris que le monde allait s'organiser comme ça, c'était une croisade en fait. Ça allait toujours, on voit bien avec la Palestine aujourd'hui, c'est encore pire. Donc, de ce point de vue-là, donc, quand je suis rentrée, j'ai décidé de m'engager et je me suis mis en tête de produire des émissions pour la télévision marocaine en dirigeant. La télévision était très officielle. C'était le début du règne de Mohamed VI et l'idée c'était quand même de faire en sorte qu'on puisse avoir une télévision qui reflète la société. Et donc j'ai proposé à Faisal Al-Aïchi de créer une émission qui s'appelait Oussar Wahelon. Et puis ensuite, j'ai produit pendant 10 ans, qui était diffusée en prime time tous les vendredis, donc qui était une émission très suivie par les Marocains. Et j'ai produit aussi pour la télévision, pour Média TV, des documentaires. Et il y avait aussi pour Oula, une émission qui s'appelle Al. Dans ce cadre-là, j'ai fait une énorme enquête sur les bidonvilles, mais vraiment énorme. Et j'ai dû produire une dizaine de documentaires sur les bidonvilles, qui ont tous été censurés. Mais je les ai produits, et donc, forcément, je suis allée au contact des habitants et j'ai longuement vécu avec eux. C'est-à-dire, j'ai vraiment passé pratiquement 200 jours par an dans des bidonvilles avec les gens et j'ai découvert. J'avais fait ce travail quand je me suis immergée dans la cité des Bosquets à Montfermeil, qu'on retrouve dans le roman, auprès des populations migrantes. Et dans la cité des Bosquets, il y avait un dispensaire qui avait été créé par la sœur d'Assia Djoba et qui, en fait, installait pour les femmes migrantes la possibilité d'un suivi gynécologique. Et donc, je me suis installée là. Il y avait une association qui s'appelait les Femmes Relais de Montfermeil. Je travaillais pendant 4 ans, une enquête de terrain. Et donc, quand je suis revenue au Maroc, ça m'a permis de faire la même chose dans mon pays. Et j'ai découvert à la fois la patience incroyable d'hommes et de femmes qui vivaient dans des conditions d'extrême, extrême précarité, mais qui maintenaient des liens de solidarité vivants, extrêmement ténus, extrêmement fragiles, et que n'importe quel incident pouvait déstabiliser. En fait, hein, c'était très violent. Et en fait, le personnage de Zahra, c'est une femme que j'ai rencontrée, comme celui d'Hassan. J'ai rencontré ce gardien de parking philosophe dans un des bidonvilles en bordure de Casablanca. J'ai voulu lui rendre hommage. Et puis après, je lui ai amené le livre quand il a été écrit. Donc voilà, ce sont des gens qui existent. C'est pour ça que les figures sont assez ancrées et construites, incarnées. Même si, bien sûr, c'est une œuvre de fiction. Elle s'appuie sur une connaissance profonde de ce terrain-là. Et j'ai eu le désir, en fait, parce que ce sont les gens qui font Casablanca. En fait, le paradoxe, c'est que depuis la colonisation du Maroc, ceux qui ont construit et bâti Casablanca, le magnifique Casablanca Art déco, eh ben, ils ont habité dans des carrières. Le mot carrière, ça veut dire les carrières, c'est les carrières de sable, en fait. Hein. Et donc, les Français les ont relégués dans les premiers bidonvilles. Et puis, à l'indépendance, la bourgeoisie nationale a pris le relais et on a continué la relégation. Au fond, on a administré l'héritage colonial. On ne l'a pas repensé, on ne l'a pas réfléchi, et on ne s'est pas demandé ce qu'on faisait des gens. Simplement, ceux qui étaient dotés d'un capital culturel et social suffisant ont pris la place des dominants, et d'ailleurs la ville est restée administrée comme les Français l'avaient construite, c'est-à-dire en fait, avec une partie de la ville européenne, qui a été habitée, récupérée par une certaine classe sociale, et puis, la ville indigène, ce qu'ils appelaient la ville indigène, en fait, qui est devenue ben, la ville écrienne, la ville populaire. Donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on reconduit, en fait, les schémas coloniaux, et dont on ne les repense pas. Et évidemment, c'est aussi une invitation, ce livre, à repenser tout cela, parce que nous avons connu d'autres villes, dans nos médinas, et moi, j'ai des souvenirs d'enfance très précis à Fès, chez mes grands-parents,
On avait des voisins qui n'avaient pas d'argent et dont l'honorabilité était équivalente à celle de nos familles. Et elle ne reposait pas l'honorabilité sur l'argent. Moi, je me rappelle mon grand-père qui était fortuné. Il avait une pièce dans laquelle il y avait des jarres, il y avait de l'huile, parce qu'il avait des terres. Il était à lui, et à lui, mais il y avait de l'huile, il y avait de la farine, il y avait des olives. Et je me souviens que les voisins venaient faire le tissu, et puis ils avaient le mras dialou, avec leurs bocaux, ils se servaient, ils sortaient, personne ne leur demandait rien. Mon grand-père, quand il faisait des actes, il avait une sorte de caisse derrière lui, les gens lui payaient, et il jetait l'argent par-dessus son épaule. Il ne regardait même pas ce qu'on lui donnait, il faisait comme ça, et ça restait dans la caisse. Et quand il avait besoin, il puisait. C'est-à-dire que ce n'était pas un enjeu. C'est pas un enjeu. Donc on sait vivre autrement, on a su vivre autrement. On est capable de, on devrait être capable de repenser la manière dont nous organisons nos vies pour que, pour y introduire une véritable mixité sociale qui nous rende poreux les uns aux autres. Parce que pour comprendre et pour sentir ce que vivent les autres, si on en est trop éloigné géographiquement, s'il y a un ghetto de riches et un ghetto de pauvres, on ne peut jamais se rencontrer. Comment on se rencontre? Comme dans le personnage de Yemna. Yemna, qu'est-ce qu'elle a fait toute sa vie? Elle a élevé les enfants des autres, elle n'a pas pu élever le sien, du coup, il est délinquant. Et ça reconduit un destin social. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Vous décrivez parfaitement les nouveaux colons. Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis fascinée par ce salon. Je assiste là pour la première fois. Je remercie Madame Bingbing. Je remercie l'écrivain Chami. Je suis doctorante en deuxième année. Je travaille sur les écrivaines alors du troisième millénaire marocain, vers une écriture du sociétal et de l'esthétique. En lisant le roman, j'ai eu l'impression que Casablanca n'est pas seulement un lieu où se déroule l'action, c'est un personnage à part. C'est comme une personnification de l'espace. Et la deuxième remarque, ce que j'ai noté, c'est qu'à travers le personnage de May, j'ai remarqué que c'est une affirmation et en même temps une non-soumission aux effets de genre qui sont cachés dans les plis et les replis de notre société. C'est tout, merci. Parce que c'était là aussi ma curiosité, comment le roman a été enfanté. Mais moi, ce qui m'a beaucoup accroché dans le roman, c'est surtout cette affaire d'enfantement. Et je le disais à Madame Leïla, j'ai été à deux doigts de tomber amoureux de lui. Et je me suis dit, est-ce qu'elle va quitter son mari? Jusqu'à la fin, on ne le sait pas. Peut-être j'aurais eu mes chances, je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai été à deux doigts de tomber amoureux d'elle. Des schémas d'une ville envahie. Est-ce que c'était le fait de l'arrivée d'un nouvel enfant? Est-ce que cette sensibilité m'a ému? Vraiment, elle m'a beaucoup ému, ce décret de sensibilité-là. Et ça coulait durant tout le roman, cette sensibilité au détail. Et à un moment, j'ai voulu faire un reproche que je me fais à moi-même. À dire, mais pourquoi à chaque fois tu ne fais que crier sur les autres? Parce qu'à un moment, j'ai trouvé qu'elle était idéaliste, ce qui est beau, mais à un moment, elle exagérait selon moi. Parce qu'elle se plaignait de tout. Mais je me disais, mais attends, ce n'est pas leur faute. C'est vrai, le monde est méchant, mais ce n'est pas la faute à ton mari, ce n'est pas la faute à tout le monde. Essaye de penser peut-être une solution. Et je me suis dit, est-ce que Madame Chami n'a pas pris par hasard le parti de May pour lui laisser jouer la gamine rebelle tout le temps, tout le temps, tout le temps? Mais après, j'ai été saisi par le personnage et la personnalité de Carla, qui a été la première à avoir eu des arguments tenables contre May, je pense, dans la page 76. Elle va recadrer May. Au point où May, c'était la première fois qu'après une discussion, May n'est pas répondu. Je me suis dit, waouh! Elle en avait cette carte-là. Et je me suis dit, c'est là où je me suis dit, oui, le roman est équilibré. Et avec l'explication que vous avez donnée à madame, j'arrive à comprendre parce que c'est rare, avec les livres que j'ai lus, de trouver une telle profondeur chez les personnages. C'est rare. Tous les personnages étaient excessivement profonds. Et votre sensibilité n'a pas sélectionné les personnages. Vous n'avez pas été sensible avec certains et insensible avec d'autres. J'ai vu votre sensibilité avec Chéri qui
même à certains moments, tâtonnait. Il ne sait pas, est-ce qu'il va faire comme ça? Est-ce qu'il va discuter avec Othman? Est-ce qu'il va aller du côté de sa femme? Est-ce qu'il ne va pas aller? Et c'est tellement beau parce que votre roman, du début jusqu'à la fin, il est humain. Et il faut beaucoup de sensibilité pour produire quelque chose d'humain du début jusqu'à la fin. C'est facile de créer des caricatures. C'est facile de dire tel joue tel rôle. Mais tous vos personnages sont profondément humains. Et moi, ça m'a beaucoup ému. Et je vous remercie parce que c'est la preuve d'un incroyable talent, d'une très grande sensibilité. Et vous êtes une richesse pour nous. C'est vraiment le territoire de la complexité. Et si on n'accepte pas d'entrer dans la mouvance, dans ce qu'il y a en nous tous d'incertain, de parfois d'ambivalent, dans les parts d'ombre, des personnes les plus lumineuses, dans les batailles qu'il faut mener intérieurement et que des fois on perd, tous, nous tous, ben, on juge. Et sans doute que juger, c'est ce qui est plus facile. C'est-à-dire que je pense qu'un romancier, au moment où il écrit, il est en charge de... Il est en charge, j'ai envie de dire, oui, de l'humanité de ses personnages, mais de sa propre humanité aussi. Et à chaque moment de l'écriture, il y a le souci... vous savez, quand j'étais jeune, j'ai lu Les Frères Karamazov. Il y a ce meurtrier. Et il y a chez Dostoïevski, qui a une plume assez lourde, assez puissante, où en fait il écrase, hein, quand il passe parce qu'il a des choses à dire qui sont dures. Mais il y a chez lui quelque chose qui est plus fort que Tolstoï, par exemple. Parce que Tolstoï, il va dans Anna Karenine, bon, c'est un type léger, machin, une fois qu'il a assouvi son désir, c'est bon. Hein. Chez Dostoïevski, à la fin du livre, on ne sait pas si on n'aurait pas pu être ce meurtrier. On ne sait pas. On ferme le livre et on ne sait plus. Hein. Et je crois que dans le monde qui nous est proposé avec une lecture tellement binaire de ce qu'on appelle le bien et le mal, les causes justes et injustes, on ne peut rien comprendre si on est binaire. Tout est une affaire sensible et changeante. À un moment, vous êtes là, puis le monde après, vous êtes là. Et en fait, est-ce que c'est du reniement? Ou est-ce que c'est une évolution? Ou est-ce que c'est un changement d'état? Ou est-ce que c'est une maturation? Et en réalité, l'injonction à juger, à trancher, elle est violente pour nous tous. Elle nous empêche, en fait, d'être liés les uns aux autres. Et je trouve que un livre, il remplit son office, en tout cas moi, les livres qui m'ont formé, ils m'ont aidé à dépasser la tentation du jugement, à aller au-delà et à rentrer dans la compréhension. Et ça ne veut pas dire qu'on accepte. La compréhension n'est pas l'acceptation. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on peut comprendre le trajet de Janet. Il est infini d'enfants et elle se demande quel monde elle va lui transmettre. Et s'il y a ses carnets de grossesse, c'est pour rentrer dans l'intimité de la vie sensible qu'elle porte. Parce que la vie portée nous rend infiniment vivants. Et donc infiniment poreux à l'existence des autres, aux souffrances des autres. Et elle refuse de devenir insensible. Elle refuse de construire son bonheur sur la certitude du malheur d'autrui. Qu'au moins une porte reste ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Et si son mari rentre dans cette voie, elle aura toujours le sentiment de vivre dans une maison qui a été construite sur la dépossession des maisons des autres. Et ça lui est insupportable de transmettre ça aussi à ses enfants. Et donc, oui, c'est vrai, elle a un côté très, très, très idéaliste, mais en même temps, on peut l'entendre. Alors. Bonsoir à tous. Merci, Leïla, de m'avoir poussée à lire ce livre grâce à ce salon de lecture. J'ai terminé aujourd'hui. Merci à Mme Chabi de l'avoir écrit, bien sûr. Et moi, j'ai pas vraiment de questions parce qu'il y a eu beaucoup de réponses qui ont été déjà données aux questions que j'avais.
Certaines interventions m'ont vraiment interpellée parce que je m'y retrouve, comme celle d'Yvan par exemple, votre dernière intervention. C'est vrai que vous parliez de forme de changer le regard, d'ouvrir le regard. Vous disiez, j'ai travaillé toute ma vie à essayer de changer le regard des uns et des autres sur ces autres qui sont abîmés par la vie, abîmés par la ville, abîmés par la maladie, abîmés, etc. Et ça a été mon combat toute ma vie. Et c'est vrai que j'ai été très, très sensible au combat de May dans ce livre, parce que je m'y retrouve tout simplement. Son idéalisme, il en faut. Quelqu'un disait tout à l'heure, parler d'égoïsme, je ne vois pas cet égoïsme-là du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu aisé et qui finalement est ouverte sur les autres, est ouverte sur les personnes qu'elle pourrait mépriser, qu'elle pourrait ne même pas regarder, même pas voir, simplement. Et ça, ça me paraît essentiel. Et puis ce que disait Yvan sur l'humanité et sur le réalisme des personnages, et là on voit bien que vous connaissez ce dont vous parlez, hein, que vous connaissez ces bidonvilles et les personnes surtout qui y vivent, c'est que cette humanité, on la retrouve chez Chérif par exemple, qui pourrait paraître en contrepoint quelqu'un d'exécrable, d'odieux, qui veut absolument réussir, et en fait non, c'est quelqu'un qui est plus broyé par le système que vraiment à vouloir, enfin, quelqu'un qui veut réussir et gagner beaucoup d'argent. Et vous voyez, entre Nessim d'un côté, qui est le promoteur, qui lui est vraiment dans l'argent avec un grand A, et puis sa femme, et puis son frère, etc., tous ces personnages qui sont humains, tout simplement, qui sont ambivalents, et ça, on l'est tous, de toute façon, à un moment donné. Hein. Mais c'est vrai que cette vision sociale et sociétale me parle énormément et m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je m'y suis énormément retrouvée. Je voulais vous en remercier. Merci. Bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente. Je m'appelle Nadia. Je suis doctorante à la faculté des lettres et sciences humaines. Alors, madame, ma question pour vous est sur ce dédoublement de la narration au sein de votre roman. Je sais que l'appartenance générique, elle est déjà résolue. Vous avez dans votre première page l'appartenance du roman. Mais en feuilletant votre roman, on a l'impression qu'il est déjà partagé entre deux voies. Il y a la voie romanesque, et quand on dit cette tradition romanesque, il y a toujours derrière cet idéalisme, c'est le côté fictionnel. Et de l'autre, il y a ce roman qui est toujours rattrapé par la technique du journal intime. Voilà. Et avec cette dimension confidentielle, et surtout cette dimension testimoniale. Alors, ma question pour vous, est-ce que cette dualité dans la construction de votre roman ne reflète pas cette confrontation structurelle de votre roman qui est entre l'idéalisme de May et un peu, si vous voulez, le réalisme, sinon je veux me garder de dire le pragmatisme du Chérif. Merci. Alors, je vais d'abord répondre à la question sur la dimension autobiographique parce que visiblement, je n'attendais pas cette question parce que en réalité, je n'ai pas eu le sentiment d'écrire un roman autobiographique du tout, pour être honnête. Le roman précédent, Dans sa chair, mettait en scène un homme en fait. Et le roman que je qualifierais d'autobiographique que j'ai écrit effectivement, il s'intitule Mourir est un enchantement. Là, il est complètement autobiographique, c'est assumé. Celui-ci, c'est vrai que, en vous écoutant,
C'est vous qui me renvoyez à cette possibilité-là. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que le personnage de May porte une vision du monde qui est la mienne, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'elle est d'un canal, probablement, une incarnation, en fait, hein, d'une certaine révolte, d'une certaine incompréhension de la manière dont notre société a choisi de gérer, en fait, la vulnérabilité depuis l'indépendance. C'est une vraie question pour moi. J'ai grandi dans une famille fortunée, avec une mère qui avait une conscience de gauche assez prononcée. Elle nous interdisait de manger du pain au chocolat dans la rue parce qu'elle disait que les gens avaient faim et qu'on n'avait pas le droit de manger devant des gens qui avaient faim. Donc j'ai effectivement été petite, mon grand-père maternel me réveillait le matin parce qu'il était juriste et qu'à l'époque il travaillait à l'ONEP, il dirigeait le service juridique de l'ONEP, et l'ONEP expropriait les paysans pour une bouchée de pain. Pour revenir à votre question des terres, en fait, hein, des compensations qu'on donne à des gens qu'on exproprie. Et en fait, lui, il se réveillait à 6h du matin, à 5h du matin, on allait dans les campagnes, et il disait aux paysans, je vais revenir avec un costume pour t'exproprier, tu dois refuser la proposition. Et donc, à 7h, on rentrait, il se rasait, il enfilait son costume, et il repartait avec le costume de l'ONEP pour poser des contrats. Donc en fait, j'ai vécu cette bataille de l'intérieur. J'étais petite, et je battais la campagne avec lui, et je voyais bien à quel point il était révolté à l'idée que des gens allaient croire qu'on leur donnait beaucoup d'argent, et qu'en fait, cet argent qu'on leur donnait ne leur permettrait pas de récupérer ce qu'ils avaient auparavant. Donc, il y a là, effectivement, des expériences qui ont été engrangées hein, tout au long de ma vie, effectivement, et que ce roman permet de porter au jour de manière fictionnelle. Ça, c'est pour la réponse. L'expérience du couple de May et Chalil, j'ai pas eu chance de la vivre parce que je suis rentrée seule. J'ai fait un retour de maman quasi célibataire à Casablanca, donc j'ai pas vécu ça, mais je me suis quand même posé la question de la manière dont les idéaux qu'on pouvait porter avec tellement de commodité quand on vit en Occident. C'est facile d'être pro-palestinien, d'être contre la guerre en Irak, on l'a tous été quand on était en France ou aux États-Unis, d'être en faveur des pays du tiers-monde, soit des tiers-monde et le sud global aujourd'hui. Une fois qu'on est chez soi, on peut avoir une étrange propension à considérer la réalité autrement. Et j'ai beaucoup de camarades autour de moi qui sont rentrés, des gens de la même génération que moi, et qui se sont glissés sans problème dans l'habit du bourgeois néolibéral qui n'est pas tourmenté par sa conscience, quoi. J'en connais plein, et c'est pas des mauvaises personnes, mais ce ne sont pas des bonnes personnes. Alors ils sont neutres, quoi. Voilà, donc c'était ce questionnement aussi, savoir comment on fait de l'intérieur, c'est quoi cette histoire, comment font les gens qui, en fait, qui ferment les yeux, comment ça s'articule tout ça. Et donc j'ai parlé avec beaucoup de gens pour écrire ce livre. Donc il y a la dimension autobiographique, c'est une dimension de quête, de recherche pour comprendre. Pour comprendre pourquoi des gens qui ont du cœur par ailleurs, tout à coup, ferment les yeux. Et c'est la question du mal, c'est quand même la question de la vulnérabilité et de ce qu'on peut supporter comme mal autour de nous. Elle a été posée de manière radicale par Hannah Arendt, hein. Elle appelle ça la banalité du mal, mais on peut la vivre quotidiennement. Tous, moi-même, hein, des fois je fais l'expérience, il y a quelqu'un d'estropié qui me demande de l'aide et puis je suis excédée parce que j'ai les deux personnes avant et la troisième je ne l'aide plus parce que je suis saturée. Et on le fait tous, et ça ne veut pas dire qu'on est de mauvaise personne, mais qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'on se ferme? Et à quel moment on n'accepte plus que ça nous pénètre et que ça nous fasse agir? C'est un peu la question aussi que pose ce roman. Bien sûr que May, elle repousse ses frontières, parce qu'elle sacrifie beaucoup quand même, au nom de cette non-indifférence, au fond. Hein, mais c'est vrai que ce n'est pas un combat facile, je veux dire, on ne sait pas si elle va... D'ailleurs, c'est ouvert, hein, dans le roman, on ne sait pas très bien si elle va retourner avec lui ou pas. Finalement, il lui dit « notre histoire n'est pas finie », elle ne répond pas. Parce que c'est dur aussi d'élever ses enfants seuls, avec un père aimant, dont on les prive. C'est une question qu'elle ne résout pas, en tout cas à la fin du roman, ça n'est pas résolu. Peut-être parce que c'est insolite. Bonsoir à tous. Merci Leïla de m'avoir poussé à lire ce livre grâce à ce salon de lecture. J'ai terminé aujourd'hui. Merci Madame Chamy de l'avoir écrit, bien sûr. Et moi, j'ai pas vraiment de questions parce que il y a eu beaucoup de réponses qui ont été déjà données aux questions que j'avais.
Certaines interventions m'ont vraiment interpellée parce que je m'y retrouve, comme celle d'Yvan par exemple, votre dernière intervention. C'est vrai que vous parliez de forme de changer le regard, d'ouvrir le regard. Vous disiez, j'ai travaillé toute ma vie à essayer de changer le regard des uns et des autres sur ces autres qui sont abîmés par la vie, abîmés par la ville, abîmés par la maladie, abîmés, etc. Et ça a été mon combat toute ma vie. Et c'est vrai que j'ai été très, très sensible au combat de May dans ce livre, parce que je m'y retrouve tout simplement. Son idéalisme, il en faut. Quelqu'un disait tout à l'heure, parler d'égoïsme, je ne vois pas cet égoïsme-là du tout. Au contraire, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu aisé et qui finalement est ouverte sur les autres, est ouverte sur les personnes qu'elle pourrait mépriser, qu'elle pourrait ne même pas regarder, même pas voir, simplement. Et ça me paraît essentiel. Et puis ce que disait Yvan sur l'humanité et sur le réalisme des personnages, et là on voit bien que vous connaissez ce dont vous parlez, hein, que vous connaissez ces bidonvilles et les personnes surtout qui y vivent, c'est que cette humanité, on la retrouve chez Chéris, par exemple, qui pourrait paraître en contrepoint quelqu'un d'exécrable, d'odieux, qui veut absolument réussir, et en fait, non, c'est quelqu'un qui est plus broyé par le système que vraiment à vouloir, quelqu'un qui veut réussir et gagner beaucoup d'argent. Et vous voyez, entre Nessim d'un côté, qui est le promoteur, qui lui est vraiment dans l'argent avec un grand A, et puis sa femme, et puis son frère, etc., tous ces personnages qui sont humains, tout simplement, qui sont ambivalents, et ça, on l'est tous, de toute façon, à un moment donné. Hein. Mais c'est vrai que cette vision sociale et sociétale me parle énormément et m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je m'y suis énormément retrouvée. Je voulais vous en remercier. Merci. Bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente. Je m'appelle Nadia. Je suis doctorante à la faculté des lettres et sciences humaines. Alors, madame, ma question pour vous est sur ce dédoublement de la narration au sein de votre roman. Je sais que l'appartenance générique, elle est déjà résolue. Vous avez dans votre première page l'appartenance du roman. Mais en feuilletant votre roman, on a l'impression qu'il est déjà partagé entre deux voies. Il y a la voie romanesque, et quand on dit cette tradition romanesque, il y a toujours derrière cet idéalisme, c'est le côté fictionnel, et de l'autre, il y a ce roman qui est toujours rattrapé par la technique du journal intime. Voilà. Et avec cette dimension confidentielle, et surtout cette dimension testimoniale. Alors, ma question pour vous, est-ce que cette dualité dans la construction de votre roman ne reflète pas cette confrontation structurelle de votre roman qui est entre l'idéalisme de May et un peu, si vous voulez, le réalisme, sinon je veux me garder de dire le pragmatisme du shérif. Merci. Alors, je vais d'abord répondre à la question sur les mensonges autobiographiques parce que visiblement, je ne m'attendais pas à cette question parce que en réalité, je n'ai pas eu le sentiment d'écrire un roman autobiographique du tout, pour être honnête. Le roman précédent, dans sa chair, mettait en scène un homme en fait. Et le roman que je qualifierais d'autobiographique que j'ai écrit, effectivement, il s'intitule Mourir est un enchantement. Et là, il est complètement autobiographique, c'est assumé. Dans celui-ci, c'est vrai que, en vous écoutant,
C'est vous qui me renvoyez à cette possibilité-là. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que le personnage de May porte une vision du monde qui est la mienne, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'elle est d'un canal, probablement, une incarnation, en fait, hein, d'une certaine révolte, d'une certaine incompréhension de la manière dont notre société a choisi de gérer, en fait, la vulnérabilité depuis l'indépendance. C'est une vraie question pour moi. J'ai grandi dans une famille fortunée, avec une mère qui avait une conscience de gauche assez prononcée. Elle nous interdisait de manger du pain au chocolat dans la rue parce qu'elle disait que les gens avaient faim, qu'on n'avait pas le droit de manger devant des gens qui avaient faim. Donc j'ai effectivement été petite, mon grand-père maternel me réveillait le matin parce qu'il était juriste et qu'à l'époque il travaillait à l'ONEP, il dirigeait le service juridique de l'ONEP et l'ONEP expropriait les paysans pour une bouchée de pain. Pour revenir à votre question des terres en fait, hein, des compensations qu'on donne à des gens qu'on exproprie. Et en fait lui il se réveillait à 6h du matin, à 5h du matin, on allait dans les campagnes et il disait aux paysans « je vais revenir avec un costume pour t'exproprier, tu dois refuser la proposition ». Et donc, à 7h, on rentrait, il se rasait, il enfilait son costume et il repartait avec le costume de l'ONEP pour poser des contrats. Donc, en fait, j'ai vécu cette bataille de l'intérieur. J'étais petite et je battais la campagne avec lui et je voyais bien à quel point il était révolté à l'idée que des gens allaient croire qu'on leur donnait beaucoup d'argent et qu'en fait, cet argent qu'on leur donnait ne leur permettrait pas de récupérer ce qu'ils avaient auparavant. Donc, il y a là, effectivement, des expériences qui ont été engrangées hein, tout au long de ma vie, effectivement, et que ce roman permet de porter au jour de manière fictionnelle. Ça, c'est pour la réponse. L'expérience du couple de May et Chalil, j'ai pas eu chance de la vivre parce que je suis rentrée seule. J'ai fait un retour de maman quasi célibataire à Casablanca, donc j'ai pas vécu ça, mais je me suis quand même posé la question de la manière dont les idéaux qu'on pouvait porter avec tellement de commodité quand on vit en Occident. C'est facile d'être pro-palestinien, d'être contre la guerre en Irak, on l'a tous été quand on était en France ou aux États-Unis, d'être en faveur des pays du tiers-monde, soit des tiers-monde et le sud global aujourd'hui. Une fois qu'on est chez soi, on peut avoir une étrange propension à considérer la réalité autrement. Et j'ai beaucoup de camarades autour de moi qui sont rentrés, des gens de la même génération que moi, et qui se sont glissés sans problème dans l'habit du bourgeois néolibéral qui n'est pas tourmenté par sa conscience, quoi. J'en connais plein, et ce n'est pas des mauvaises personnes, mais ce ne sont pas des bonnes personnes. Alors ils sont deux, trois. Voilà, donc c'était ce questionnement aussi, savoir comment on fait de l'intérieur, c'est quoi cette histoire, comment font les gens qui, en fait, qui ferment les yeux, comment ça s'articule tout ça. Et donc j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour écrire ce livre. Donc il y a la dimension autobiographique, c'est une dimension de quête, de recherche pour comprendre. Pour comprendre pourquoi des gens qui ont du cœur par ailleurs, tout à coup, ferment les yeux. Et c'est la question du mal, c'est quand même la question de la vulnérabilité et de ce qu'on peut supporter comme mal autour de nous. Elle a été posée de manière radicale par Hannah Arendt, hein. Elle appelle ça la banalité du mal, mais on peut la vivre quotidiennement. Tous, moi-même, hein, des fois je fais l'expérience. Il y a quelqu'un d'estropié qui me demande de l'aide et puis je suis excédée parce que j'ai les deux personnes avant et la troisième je ne l'aide plus parce que je suis saturée. Ouais. Et on le fait tous, et ça ne veut pas dire qu'on est de mauvaise personne, mais qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'on se ferme? Et à quel moment on n'accepte plus que ça nous pénètre et que ça nous fasse agir? C'est un peu la question aussi que pose ce roman. Bien sûr que May, elle repousse ses frontières, parce qu'elle sacrifie beaucoup quand même, au nom de cette non-indifférence, au fond. Mais c'est vrai que c'est pas un combat facile, je veux dire, on sait pas si elle va... D'ailleurs, c'est ouvert, hein, dans le roman, on sait pas très bien si elle va retourner avec lui ou pas, finalement, il lui dit notre histoire n'est pas finie, elle répond pas. Parce que c'est dur aussi d'élever ses enfants seuls, avec un père aimant, dont on les prive, c'est une question qu'elle ne résout pas, en tout cas, à la fin du roman, ça n'est pas résolu. Peut-être parce que c'est insolu. Il y a Mahi qui voudrait dire quelques mots. L'histoire de ton grand-père me rappelle l'histoire d'une tante lointaine qui était huissier de justice. Et elle allait le matin prévenir les gens
très tôt le matin, qu'elle allait venir pour qu'il vire la télé, qu'il cache le truc. Je vais venir cet après-midi vous saisir. Et vraiment, c'est la même histoire de ton grand-père. J'avais une petite question, mais je crois que tout le monde a répondu à toutes les questions. Je voulais parler de je suis, on dit un groupie ou une groupie? Moi, depuis cérémonie, en passant par mes déchéris, je suis un fan de ton écriture. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les livres militants. Les livres militants m'ennuient d'ordinaire. Et toi, tu arrives à militer de la première page à la dernière page sans qu'on s'en rende compte, même. Parce que j'ai des copains, et tu les connais aussi, qui sont écrivains, et qui se partent, qui donnent des coups de poing. Non, là, ça se passe comme ça, avec la dentelle. Hein? Et vraiment, vraiment, c'est un monde qui me parle et qui me fascine, vraiment. J'ai écouté des émissions à RFI, par exemple, où tu te poses la question de la légitimité. Est-ce que, après avoir écouté ces gens, tu peux répondre à ça? Tu sais très bien, Marie, tu es écrivain depuis plus longtemps que moi. Tu es beaucoup plus produit que moi. On a toujours un doute. J'imagine que ça te traverse aussi. Tu prends partie des créés. Tu dis, mais au fond, au nom de quoi? Qui je suis? Oui, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on doute et puis on ne sait pas très bien si on est à la hauteur du projet, de l'exigence aussi de la construction. Donc, dans la question du journal intime et de la double narration dans ma foulée, il y avait aussi ce souci. Moi, je peux dire que je suis presque entrée en littérature avec la certitude que la chose j'essaierais d'écrire quand j'ai lu Le Carnet d'or de Doris Lessing, j'avais 14 ans. Et en fait, cette œuvre, je l'ai découverte dans la bibliothèque de ma mère, et je l'ai presque volée. Je n'étais pas sûre que j'avais le droit de la lire, mais en tout cas, je l'ai prise. Et j'ai découvert ce que c'était, pour la première fois de ma vie, j'avais lu Anna Karenine, j'avais lu Madame Bovary, j'avais lu j'avais énormément Une vie de Maupassant. Enfin, je suis une lectrice dévoratrice depuis l'âge de 13-5 ans. 5 ans, oui, je crois, je commençais à lire 5 ans, puis ça s'est plus arrêté. Et en fait, là, pour la première fois, même Beauvoir n'a pas fait cet effet, j'ai senti qu'une femme écrivait. C'est-à-dire que la voix narrative, elle est féminine. Pas de souci. C'est une vision du monde portée par une femme avec, mais pas, c'est pas une question de sensibilité, c'est des stéréotypes, non. Avec la puissance d'enfantement tellurique dans l'écriture d'une femme qui peut parler du goût de faire qu'elle a dans la bouche quand elle a ses règles. C'est un passage qui m'a marqué parce que jamais dans un roman d'homme, on n'aurait pu lire quelque chose sur la manière dont ce moment du corps féminin affecte puissamment l'intimité des femmes. Je me souviens, dans ce roman, il y a la guerre en Angola, il y a, bien sûr, elle est sud-africaine, elle est blanche, enfin, elle adhère au Parti communiste, elle écrit pour une espèce de journal féminin. J'ai dû lire ce roman 20 fois dans ma vie, elle a été mon mentor, cette écrivaine, hein, à tout point de vue, j'ai tout lu. Et à sa suite, j'ai eu Daniel Cordimer, qui n'a pas fait le même effet, Kodze, tous les Sud-Africains, Brink, etc. Mais c'est pas pareil. C'est puissant, mais c'est pas pareil. Et en fait, la voix narrative de Casablanca Circus, effectivement, elle est masculine. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi le tour de force de construire une voix narrative féminine. Vous voyez ce que je veux dire? La narration omnisciente, dans ma construction intellectuelle, elle reste masculine. Et donc le carnet de grossesse, c'est la voix intime de May qui fraye son chemin dans cette vision patriarcale du monde. Et on voit bien d'ailleurs quand le roman se déploie, la construction de la voix narrative, en fait, à un moment j'ai assumé qu'elle était masculine, parce qu'au début je ne l'ai pas pensé comme ça, puis je me suis dit non, j'y arrive pas, parce que le contexte est patriarcal. C'est-à-dire que la ville qui se déploie est une ville d'hommes dans laquelle les voix féminines se feraient un chemin, en fait. Et le carnet de grossesse, c'est une transmission de mère à fille qui, en fait, s'insinue dans le texte et finit presque par le posséder. C'est-à-dire que presque, c'est presque comme si la narration omnisciente était dépossédée de la ville par
la narration souterraine de mai. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, c'est une subversion à l'intérieur. Voilà. C'est une réussite. Merci. Alors, Jeanne. Oui, Jeanne. Et puis, à tout ce que bonsoir à tous. D'abord, je me présente à Jessie Jeannac, étudiante à la faculté des... Je suis très heureux de, pour notre passion commune de, pour la littérature d'être ce soir parmi vous. Je remercie au passage la fondatrice de ce salon, Leïla Bindine, et notre écrivaine, Yasmine Chani. Après ma lecture au roman, j'ai constaté que Casablanca se présente comme un personnage principal du roman. C'est un lieu à double sens, et une ville qui est dans, pour reprendre l'expression d'Edgar Morin, dans toute sa complexité, c'est une ville ambivalente. Les illusions qui étaient miroitées. C'est une ville, une source d'amour et de la haine. Pour te dire, c'est un cirque, pour reprendre la dimension rhématique et symbolique de titre. Et aussi, je suis sensible à une problématique évoquée dans le roman, c'est l'exil. S'il est présenté dans le roman par le couple, c'est-à-dire un pays dans le pays d'accueil et le pays natal, je le trouve aussi dans ma vie personnelle, entre un milieu urbain et la ville. On se sent aussi l'existence d'une sorte de militantisme, un humanisme. C'est pour cela que je voulais poser ma question à l'écrivaine. Pourquoi vous combattez ? Quel est le sens de votre combat ? Merci. Je suis Madame Raja Kissana, inspectrice pédagogique de l'enseignement à la délégation Al-Hanna. Au début, je veux vivement remercier Madame Leïla de m'avoir donné l'occasion d'intervenir. Marhababik, Madame Yasmine Entré Marakchi, et merci beaucoup pour ce très beau roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai une seule question à poser entre autrice, Madame Yasmine, mais avant tout, vraiment, vous avez tout dit. Alors, j'ai une petite parenthèse, si vous permettez, en arabe. Un remerciement, Madame Leïla, mais en arabe. Pourquoi en arabe ? Parce que c'est la langue que j'adore beaucoup. Alors, je commence. « بكل كلمات الشكر والثناء ومن قلب ملؤه الإخاء والمحبة أتقدم بالشكر الجزيل وبعظيم الامتنان الممزوج بالمودة والاحترام إلى الدكتورة ليلى بن بين على عملها الدؤوب وجهدها المتواصل لإحياء وتنظيم هذا الصالون الثقافي الذي أعتبره ملتقا للأدباء والكتاب والفنانين وأهل المعرفة والثقافة. إنه مصدر إشعاع فكري وثقافي وأدبي يهدف إلى إبداء الرأي والنقد بطريقة بناءة. جميل جدا قيام مثل هذه التجمعات الثقافية من أجل مناقشة إنتاجات أدبية بنوع معين من الرقي الفكري، ولكن الأجمل في صالون أستاذة ليلى هو كونها تباشره وتثريه بالثقافة والأدب مع حرصها الدقيق على أن يأخذ دوره في الاستمرارية. فهو منبر فكري تعليمي لاكتشاف وصقل المواهب
وتبادل الفكر والخبرات بعيدا عن كل ما يحاكي التسابق الحادث حاليا كموضة جديدة من موضات البوز الإعلامي أو الواجهة الاجتماعية. وما هذه إلا سطور قليلة جدا حاولت من خلالها أن أشيد بمجهودات العزيزة ليلى وأعضاء اللجنة المنظمة لهذا الصرح الثقافي الذين تمنى أن يظل وعاء للفكر الحر ومدرسة للحوار البناء ونقطة التقاء لكل مهمومين بالوطن وقضاياه وشواغله. Alors, en lisant le roman de notre autrice Yasmine Chami, Casablanca Circus, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Je suis vraiment passionnée à sa lecture. C'est un roman qui raconte d'un jeune couple très amoureux, Chérif, un jeune architecte, et May, sa femme historienne. Un couple qui a décidé la perspective du retour à Casablanca, retour de Paris à Casa, retour à leurs racines en découvrant qu'ils vont avoir leur second enfant. May est d'une famille extrêmement aisée, alors que Chérif vient d'un milieu très modeste. Il se retrouve confronté à la réalité inattendue du retour à leur propre société. Alors au travers de ce couple se révèle une ville de tous les contrastes, de ses quartiers luxueux jusqu'à son misérable bidonville que les plans d'urbanisme prévoient de reléguer loin du centre de la ville, sans espoir de travail et sans vue sur l'océan. Alors, ma question, quelle est l'émotion que vous avez envie de laisser à vos lecteurs une fois qu'il arrive à la fin, c'est-à-dire une fois qu'il ferme votre roman, Madame Yasmine? Merci. J'ai commencé la lecture il n'y a pas très longtemps du livre, et je ne me sens pas légitime de poser des questions. Mais il y a quelque chose que j'ai lu déjà la quatrième page de couverture et le début du livre. Je voulais vous demander, Madame Yasmine Chami, s'il y a une part d'expérience autobiographique dans ce livre, parce qu'on part du principe que chaque auteur écrit sur des sujets qu'il a vécu, qu'il connaît mieux, y compris les familles, etc. Et je voulais savoir, je pose la question en toute naïveté, s'il y a une part de l'expérience biographique dans ce livre, et c'est oui, dans quelle mesure il vous a permis d'être, d'après ce que je viens de comprendre, avec les personnages, de ne pas être frontal avec les personnages, et de plutôt tenir compte du fait que ce que vous avez raconté, vous en avez été, dans quelque mesure, témoin. Et je pars du principe, Elie Wiesel disait, celui qui a vécu une expérience et qui ne témoigne pas, c'est comme s'il ne l'avait pas vécu, et je pense que vous avez témoigné d'un vécu, ça se sent déjà dans les premières lignes du livre. Je vous remercie. Alors la première question à laquelle je réponds, c'est celle du combat. Oui. Parce que moi quand même... En écrivant ce livre, je n'avais pas en tête un combat. J'avais en tête le désir profond d'ouvrir le regard, c'est-à-dire de dévoiler, sans prétention, hein, bien sûr, parce qu'il y a des anthropologues qui font ça très bien, mais disons de dévoiler de manière sensible ce qui, je pense, nous préoccupe dans nos vies quotidiennes, aussi dotées soit-on, parce qu'on ne peut pas vivre dans une ville marocaine sans avoir la conscience aiguë de ce qu'il y a autour de nous et de la manière dont les gens
sont affectés par l'espace urbain et de la manière dont ils ne jouissent pas des commodités de l'espace urbain. Donc, je crois que cette conscience-là, qui est une conscience un peu malheureuse en fait, hein, nous la partageons tous. On peut s'étourdir, on peut fermer les yeux, on peut fermer son cœur, on le fait, parce que sinon on ne pourrait pas supporter. Mais il y a toujours un moment où on est affecté. Et j'ai beaucoup voyagé, je voyage souvent, et je me suis aperçue que cette problématique-là, elle n'était pas exclusive des pays du Sud. On appelle ça le Sud global aujourd'hui, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'étais très frappée, par exemple, je suis pendant 10 jours par mois à Paris, je suis très frappée par la question des tentes qui sont plantées le long du périphérique, de la ghettoisation de certaines populations aux alentours de Paris. Donc en fait, et puis ça existe à New York, j'ai vécu à New York et j'ai beaucoup travaillé dans le Bronx. Donc je vois bien comment, au fond, le développement d'une certaine conception de l'urbanisme adossée à un système de pensée, ce n'est plus seulement un système économique, c'est un système de pensée néolibéral, produit des effets dans la vie de la majorité des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas une minorité qui souffre aujourd'hui, c'est une majorité. Les villes sont dépeuplées, en fait, hein, les quartiers populaires en fait, du centre-ville sont systématiquement, aujourd'hui, accaparés, récupérés par ceux qui font de la spéculation immobilière. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez à New York, le quartier de Harlem, qui est splendide, hein, et qui permettait aux habitants de Harlem, dans les difficultés qu'ils vivaient, de jouir d'une forme de beauté et de la proximité de Central Park, eh bien, ce quartier est récupéré par des promoteurs immobiliers, des spéculateurs, en fait, qui sont en train d'en faire un quartier de riches. Donc, c'est une problématique qui est globale, je pense qu'elle est universelle. Évidemment, l'ancrage en Casablanca, c'était le désir aussi que bien, nous prenions, nous, au Maroc, chez nous, à bras-le-corps, cette réflexion, hein, et que nous n'attendions pas les injonctions de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international pour décider qui nous voulons être. Voilà, il y a ça aussi, parce que, vous savez, les questions du développement, j'ai beaucoup d'amis en France qui travaillent sur la question du développement, beaucoup d'amis aux États-Unis qui sont à la Banque mondiale, et quand on lit leur rapport, ben, c'est effrayant. C'est effrayant parce que ça change tout le temps. Moi, je me rappelle, je suis assez vieille pour me souvenir des émeutes du pain de 1981, où en fait, la Banque mondiale a décidé d'une politique d'ajustement structurel, manu militari, où les prix des matières premières, la farine, le blé, l'huile, ont monté de manière terrible et ont flambé, et où les gens sont sortis dans la rue, et ça a donné lieu à une répression terrible au Maroc. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais voilà, on a tout ça en tête, en mémoire, et les gens ont souffert, ils ont souffert dans leur chair. Je veux dire, donc on a aussi la responsabilité de décider de la manière dont on gère, en fait, ces ressources, dont on gère les gens. Et une nation, c'est aussi ça, c'est-à-dire un pays, quand on parle d'un pays, j'aime mieux mon pays que nation, un pays, c'est aussi la capacité de prendre en charge les problèmes qui affectent la majorité de nos concitoyens, de ne pas juste s'en laver les mains. C'est aussi pour ça, oui. Le combat, peut-être qu'il est là, la littérature, ça peut être un moment où, en fait, on touche du doigt la complexité du monde qui nous entoure, de certaines problématiques, et au moins on ouvre les yeux. Ça peut être l'occasion d'ouvrir un regard sensible et même presque affectif, je dirais, sur ce qui nous touche, nous, et ce qui touche les autres. Donc dans ce sens-là, si Casablanca Circus a réussi ça, ben, pour moi c'est une grande satisfaction. Voilà. En lisant le roman, je suis posée à un certain moment la question de la légitimité de May, étant donné qu'elle est issue d'un milieu fortuné, riche. D'ailleurs, elle le dit à un certain moment, elle dit « Shérif a connu, l'a vécu Casablanca avec toutes ses blessures et ses injustices. Moi, je ne fais que la sentir, je l'ai sentie. » On dirait qu'elle était en fait par rapport à Shérif. Mais moi, je me suis posé la question, encore une bourgeoise qui vient porter un regard de surplomb sur les habitants, sur le peuple de la mer, le Bahari, de quel droit? Et à certains moments, j'ai retrouvé Yasmine Chami, l'anthropologue, qui a posé la question de la posture de l'anthropologue, sur laquelle je travaille également. C'est-à-dire, on n'observe pas un objet d'étude et on reste indifférent. Ça va dans les deux sens et c'est l'une des erreurs de la science et du positivisme occidental.
Et je me suis posé la question, et ce qui a en quelque sorte donné une certaine légitimité à May, c'est le fait d'avoir apposé le nom de tous ces personnages du bidonville sur le livre pour leur donner une voix. L'erreur commise par l'occidental, c'est qu'il a toujours parlé au nom de ces populations qui ont été invisibilisées et rendues inaudibles. La question que j'allais poser... Oui, je voudrais bien. C'est ça. Oui, je l'ai oublié. C'est la partie que j'ai envie. Ça reviendra tout à l'heure. Non, mais c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, voilà, c'est par rapport à la question posée tout à l'heure, les jeunes, moi en tant qu'enseignante, habitée par les mêmes problématiques que Yasmine, on lui a posé la question tout à l'heure, elle a répondu, elle a dit, je ne fais pas de la politique pour proposer des solutions, parce qu'on nous demande toujours des solutions. Ben justement, moi, je pose la question en tant qu'enseignante. Parce que chaque jour, on est en lutte parce qu'on est face à une jeunesse compliquée. Moi, je pose des questions comme à l'âge de 18 ans, 20 ans, on arrive à fermer les yeux, à devenir indifférent à la détresse. Pire même, je dirais, même pire, c'est que j'ai face à moi une jeunesse qui commence à tomber dans le pire, ce que vous avez appelé un cynisme, et que moi aussi j'appelle cynisme. Parce que souvent, quand je leur parle d'utopie, de la possibilité de changer le futur, les jeunes me disent « Madame, on ne peut rien faire ». Le jeu nous dépasse, le Sud est victime d'un Nord qui est beaucoup plus puissant sur le plan militaire, économique, et nous, on ne peut rien changer. Même sur le plan régional, au niveau du Maroc, on ne peut rien changer. Et moi, je suis tout le temps en train de tresser, de cultiver l'utopie. Je leur dis non, il faut être conscient qu'il y a des choses qu'on ne peut pas perdre, comme les liens. Il y a des choses qu'on ne peut pas se laisser voler. Mais des fois, voilà, on peut être gagné par le découragement, à force de répéter ce discours face à, que ce soit chez tout le monde, je ne vais plus nommer, il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi les collègues, personne n'y croit plus, personne n'a envie de mener le combat, personne n'a envie de changer quoi que ce soit. C'est-à-dire, tout le monde devient égoïste, et on revient au mot d'égoïsme évoqué tout à l'heure. Et voilà, je vous pose la question, oui, il y a la littérature, mais à part la littérature, comment est-ce qu'on peut faire pour... faire revenir ce que vous avez appelé l'espérance, et vous l'avez remarqué, vous avez comparé Casablanca et Paris, l'espérance, on croit un miracle, un jour elle viendra un miracle qui va peut-être changer le vécu des gens, mais nous comment faire pour réactiver l'espérance et l'utopie auprès d'une jeunesse qui commence à être prise dans les raies, dans les filets d'un cynisme qu'ils appellent pragmatisme. En attendant la batterie. Les questions. En attendant la batterie, oui, c'est une question dernière. Question. Vous avez répondu que vous ne faites pas de la politique. Je dirais que vous ne faites pas la petite politique. Parce qu'une personne qui sacrifie son temps, qui prend sa plume et qui va auprès de la population au bord de la mer, de les fréquenter et de rapporter leurs valeurs et leurs désirs, c'est faire de la grande politique. Parce que si on change tout Casablanca, que tout Casablanca devienne des gratte-ciel, ce livre restera pour témoigner qu'il était une fois au bord de la mer à Bidonville. Et que les gens de Bidonville n'habitent pas les gratte-ciel, ils sont passés, mais très très loin d'elle. Donc c'est l'écrivain a ce devoir de témoignage et quand on témoigne, on fait de la politique, on agit. Et ce n'est pas la petite politique, parce que vous ne présentez pas aux élections pour écrire, pour présenter aux élections. Vous écrivez pour témoigner et ça c'est ce que je considère faire de la grande politique parce que vous avez donné une voix à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui en ont, mais dont t'en prive et en dépit dont t'en prive de s'exprimer. Merci. Sur la question de l'utopie, c'est effectivement une question de fond. Et je suis à l'affût, en fait, dans ma vie, on a quand même eu un grand moment d'utopie qui a été résorbé, hein, c'était l'utopie marxiste, qui a permis de rêver, en fait, un monde...
communautaire et plus égalitaire. Et malheureusement, dans les années 70, en fait, les États-Unis ont mis en avant, ont donné le Nobel de l'économie à von Hayek, hein, et ça a été un moment absolument fondamental, mais d'autant plus que l'idéologie de von Hayek a fait circuler ce mythe, parce que c'est un mythe, hein, et ça s'est présenté comme une vérité scientifique, ça n'était pas du tout. C'était la fameuse théorie du ruissellement. Hein, et cette théorie du ruissellement, elle nous a beaucoup coûté parce que il y a eu, en fait, l'ouverture, une ouverture donnée à la prédation capitaliste, financière. Une ouverture extraordinaire qui n'a plus été contestée parce que, d'abord, l'engagement politique a été remplacé par les dogmes économiques. Hein, donc, en fait, on n'a plus vraiment de politique depuis, hein, puisque tous les programmes politiques dépendent, en fait, de la finance. Hein, et, donc et puis, surtout parce que, en fait, l'économie s'est mise à devenir une forme de pensée politique. Et donc, en fait, ce sont les technocrates qui prennent les décisions. Ce ne sont plus des hommes politiques animés d'une vision de la société qui, en fait, ont à leur disposition des technocrates qui viennent rendre possible cette vision-là. On a inversé le processus, c'est-à-dire que ce sont des technocrates, en fait, hein, qui utilisent des politiques pour porter, non pas leur vision, mais leur méthode. Donc, c'est très, très différent. Leur technique, exactement. C'est la technique, en fait, qui a pris le pouvoir. Et ça, c'est quand même assez grave, parce que ça veut dire qu'on ne pense plus, en fait, les sociétés humaines. Hein, on les agit, c'est-à-dire qu'on les fabrique. Et donc, on les coupe du vivant. On est coupé du vivant, et on voit bien aujourd'hui l'impasse climatique dans laquelle nous sommes. Si vous lisez le rapport du GIEC, vous êtes effarés, hein, parce que cette technique, c'est-à-dire abandonner le monde à la technique, et ne plus penser le lien vivant des sociétés en elles-mêmes et à elles-mêmes et aux leurs, ça produit des effets terribles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une prédation sur les ressources, il y a une prédation sur la planète, il y a une prédation sur les êtres humains, ça n'a pas de fin. Et on voit bien que la base, c'est que la prédation, elle suppose qu'il y a quelque chose, il y a un butin à ramasser, il n'y a plus de butin, là, il n'y a plus rien, la Terre est exsangue. Donc on va être obligé, moi je suis convaincue que nous allons être obligés. D'ailleurs, c'est en cours. Il y a des pépinières de réflexion aujourd'hui à travers le monde sur d'autres organisations de la société possible qui permettent de préserver ce qu'on appelle le monde en commun. Parce que eh bien, cette catastrophe climatique, ou en tout cas cette crise climatique, elle nous montre que nous sommes liés les uns aux autres, que la manière dont on consomme en Europe a des effets en Afrique, que les détritus qu'on jette dans les océans ont des effets sur ce que nous mangeons, que le fait que les pays européens déversent leurs poubelles sur des terres africaines, ça a des conséquences sur la santé de nos enfants. Et je pense que les dirigeants de la génération de mes enfants, par exemple, sont extrêmement éco-conscients. Ils sont extrêmement solidaires, en tout cas j'espère que c'est le cas pour les autres. Mais, et en fait, je crois que nous allons être obligés de rentrer dans cette conscience-là. Et je pense que nous allons être obligés de penser des sociétés solidaires. On ne pourra pas faire autrement parce que de toute façon, on va devoir vivre autrement et on va devoir s'appuyer les uns sur les autres pour survivre. Et je crois que c'est la réalité qui va rendre l'utopie possible. C'est-à-dire qu'on va être contraint à l'utopie ou alors on va disparaître, c'est aussi une option, comme espèce. Mais on est là aujourd'hui. C'est une problématique qui n'est pas adressée par nos politiques chez nous. Hein. Personne n'en parle. Il n'y a pas un parti politique qui pose la question du climat et de la solidarité nulle part. Et c'est une urgence de le penser aujourd'hui. On doit le penser. Vraiment. Il faut en prendre conscience. C'est peut-être au-delà de la vulnérabilité économique. Hein. On est dans une puissante vulnérabilité climatique. Marrakech, il n'y a pas eu une goutte de pluie cette année. C'est une réalité objective. Voilà. Et donc, ces ressources-là vont manquer et on va être contraints au partage. Je l'espère, en tout cas. Est-ce que vous permettez que Fatiha dise un petit mot? Juste la force. Je voulais vous remercier infiniment pour le volet que vous avez mis
la lumière sur un volet de notre histoire. C'est entre les années 70 et 80. En évoquant la fermeture des maisons de jeunes, et par conséquent, c'était l'ouverture des prisons. Tazmanmat et d'autres lieux de torture. Et la fermeture de ces espaces de communication intellectuelle qui sont les espaces de théâtre, comme la destruction du Grand Théâtre à Casablanca, Art Déco, qui est une œuvre d'art de cette époque coloniale. Malheureusement, à Tunis, ils l'ont conservé. Il existe toujours, mais à Casablanca, il n'y est plus. Et donc, ces espaces de maisons de jeunes, dont je me souviens très bien, qui étaient des espaces de rencontre pour les très jeunes et les moins jeunes, pour s'exprimer, pour communiquer, pour parler, pour faire du théâtre, de la musique, de l'art, et qui étaient malheureusement fermés à tous ces jeunes, dont il y avait une partie de génie, et c'était des jeunes qui s'exprimaient. Et finalement, je voudrais vous dire et vous demander, est-ce que c'est une malédiction ou est-ce qu'on est maudit pour avoir subi cette grande injustice? Donc, mais ce n'est pas propre à notre pays, malheureusement, mais au monde arabe. Tous ces pays qui souffrent de cette injustice. Et merci, du livre, mais qui est en relation avec Casablanca. On a déménagé les gens pauvres comme cité dans votre livre, et que nous avons marginalisé, que nous avons mis n'importe où. Là, ma question, c'est sur votre point de vue sur Casablanca, les quartiers qui étaient riches, les quartiers qui étaient le symbole esthétique, le symbole de beauté de Casablanca, et qui se sont devenus anarchisés, et qui se sont devenus, si j'ose dire, des carrières. Voilà. J'aimerais bien avoir votre point de vue, parce que c'est quelque chose qui me touche énormément en étant une native de Casablanca. Voilà. Alors, je réponds à votre question qui est sur le monde arabe, en fait. Hein, c'est la question du monde arabe. Bon, au Maroc, les maisons d'Ur Shabab, en fait, ont été fermées dans les années 70. C'était un moment terrible dans l'histoire de notre pays parce que, en fait, la contestation politique et les projets sociaux portés par la gauche marocaine ont été enterrés, en fait, et fossoyés par l'enfermement des intellectuels et par la fermeture des maisons de jeunes qui étaient aussi des foyers de réflexion, d'expérimentation cinématographique, esthétique, littéraire, théâtraux. Évidemment, quand on ferme les portes de la culture et qu'on ouvre les portes de la religion et d'une religion littéraliste, bien, on expose la société à une fermeture de perspective qui est terrifiante. Et nous en faisons les frais, en fait, hein, encore aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas des initiatives comme celle de Leïla, que je remercie, nous n'aurions pas de lieu, vraiment, pour échanger comme nous le faisons. Hein. À part les librairies, il n'y a plus d'endroit où on peut en fait porter une parole en direction de la jeunesse. Et le pire pour moi, ça a été de constater que... D'ailleurs, je n'ai jamais été invitée par les instituts français. C'est une gloire pour moi. Il y en a qui pensent que je ne suis pas audible. C'est très bon signe. Franchement... La première fois que j'étais invitée, c'est là parce que l'ambassadeur a fait ses études avec moi, c'est tout. Avant, je n'ai jamais vu. Jamais. J'ai publié chez Afrique Sud. Jamais. Donc, c'est bon signe. Mais voilà, c'est que la politique marocaine culturelle francophone a été portée par les instituts français du Maroc.
et une partie de la politique culturelle arabophone. Et ça, c'est quand même pathétique, parce qu'on est, on est à 3 ans depuis 62, donc quand même, ça fait un bon moment. 56, pardon. Donc en fait, ça veut dire que plus de 50 ans après l'indépendance, même plus que ça maintenant, 70 ans, combien maintenant 60 ans 62 ans. 70 ans oui, hein, on n'a pas encore une politique culturelle qui porte, qui permette à la jeunesse marocaine de s'identifier à des gens qui créent des perspectives par l'art. Et l'art, c'est une sublimation du vécu quand même. Hein. Donc ça veut dire que le football n'est pas une politique culturelle. Ça peut pas, c'est bien, mais ça ne peut pas tenir lieu de politique culturelle. Oui. C'est la religion ou le sport. Non. Hein, parce que, bien sûr que ça trace une vision d'attente, mais on a besoin de désirer. Pour édifier une société, on a besoin d'ouvrir la porte du désir intérieur. Et nos jeunes n'ont pas d'endroit. Je pense aux endroits que Mahi a créé. Il y a quelques associations qui portent ça. Magnifique. Moi, j'ai une cousine qui a créé une association qui s'appelle Kanye Maken, où elle met en place des ateliers d'art dans les écoles publiques. Mais à part ça, il n'y a rien. Et on porte la responsabilité politique de cette fermeture parce que ça entraîne le désespoir de la jeunesse qui passe son temps à regarder de l'autre côté de l'océan la possibilité de s'épanouir. C'est très grave. Voilà, moi, je pense c'est quelque chose qui me... C'est pour ça d'ailleurs, c'est dans le roman, effectivement, et puis c'est pour ça que j'ai choisi les chansons de Nes Rivon pour émailler le récit, parce que c'est la grande époque de Dar Shabab, de Hey Mohammadi, et qu'il ne faut pas oublier que les groupes, ce groupe qui a bercé, qui nous a bercé, qui est la mélodie intérieure de tous les Marocains, en fait, hein, c'est un groupe qui est né dans une maison jeune, dans un quartier. Ce n'est pas un anodin. Je crois qu'au bout de deux heures, personne ne veut quitter sa place parce que Yasmine Chami a été vraiment formidable par sa sensibilité, par sa réponse, par sa sincérité. Et je crois que tout le monde a compris que elle est profondément habitée par l'humanisme, par la solidarité, et qu'elle n'est pas du tout dans le, comment dirais-je, la littérature francophone maghrébine exotique. Loin de là. Je vous remercie à vous toutes et tous d'avoir bien voulu répondre à l'invitation et d'avoir participé à la réussite de cette soirée autour de Yasmine et Camille. Merci beaucoup. Vas-y, Yasmine. Bonsoir à tous. Déjà, je voulais vous remercier pour ce magnifique roman que vous avez écrit. Moi, j'ai remarqué que, à travers ce roman, qui fait aussi preuve de votre expérience à l'étranger et au Maroc. Il y a une sorte de dualité tout au long du roman, donc, entre l'homme et la femme, les riches et les pauvres, entre le capitalisme, le socialisme, l'humain et l'ego. Et j'ai également remarqué, donc, de par les différents témoignages ici, qu'il y a des avis différents et partagés. C'est une écriture magnifique. Et on la remercie pour la qualité des auteurs. Est-ce que vous avez été sensible bien au début, quand vous étiez là, ou un petit peu après, en voyant la démocratie un peu partout? Voilà. Merci. Les deux. Merci. Alors pour vous répondre, j'ai grandi dans cette sensibilité en fait. C'est pas tellement, j'ai pas beaucoup de mérite. Hein. J'ai été élevée comme ça, donc je sais pas si j'aurais été sensible spontanément, mais c'était impossible de pas l'être avec la mère que j'avais. Donc, là, je voulais juste rejoindre le gouvernement ou la LEDA, disant qu'on ne peut pas mener des projets comme ça aussi grands, juste en sensibilité. Bien sûr. En tout cas, voilà, c'est sûr que. On vient tous d'un monde avec des représentations, avec une vision du monde, on les transporte avec nous, et puis après on en fait autre chose. Et voilà.
qu'on essaye de transmettre du mieux qu'on peut ce qu'on a gardé, en fait, de ce qu'on a appris. C'est pas les études, en fait, c'est... Le fait. Oui.